Gonaïve, plusieurs autres pays. Ça pourra dépendre de nous qui suivons là. Naturellement, si tu as aimé faire film, ça passer dans le pays où tu es sorti, hein, ou tu as voulu prendre charge de ça, ou capable de contacter nous ici, dans Boston. Et puis, on a fait tout ça possible pour nous faire film ça à jouer dans la zone Bolacayou comme ça doit. En attendant, Régie, à travers pour le voir si M. Kawe, qui s'est passé et trailer. Et tu l'as bien joué, bon côté Pam, mais bon côté Monsieur, bon difficulté, par contre, ça s'est passé. N'a pas soin pour nous saluer, mes amis, ce n'est pas deux grandes amies, CapTex, moi, dans le moment, fait qu'on est que yo branché. Jeunesse t'aimer, I love you, and thanks for watching, et en plus, fait on qu'on est est que que yo yo branché. et Jeunesse t'aimer, I love you, and thanks for watching, fait qu'on est et en moi, plus, fait on qu'on est est que que yo yo branché. termine du côté d'Orlando. Et en pilote, mes amis, à travers toute la planète là, baka salut, baka cité, non, nous toutes, nous capables seulement de dire merci, merci, merci parce que nous branchons Mission et la belle Chantalieuse et qui toujours branché tout, capables Merci. seulement de dire malade Mission 1, branché Red là dans mon moment, égal tout le monde, mes amis, merci, merci, merci parce que nous branchons. N'ayons petit temps tout court, nous pourrons gagner Stanley Luca en direct depuis Washington, D.C. Pour l'entrée dans la deuxième partie émission 1, côté questions et réponses, pour le poser comme ça doit. Il semblait que Régie découvrit problème là, qui existait. Hein. Monsieur Femsing, mon petit en tout coûte là. Monsieur Paul Laguélé. N'a profité de remercier tout le monde indistinctement, mes amis, qui prend émission ça, qui la gueule, soit en dedans studio Payot. Ou bien fait l'autre monde qu'on est de l'émission. Merci en pile. Tripota la caille, Haïti Dialogue, Haïti en direct, les mêmes ça sont tête chargée net liées. Haïti en direct permettent qu'on ait l'émission ça dans grand écran, au lieu de petit écran, au cap dans grand écran comme ça droit. Juste Haïti en direct, 617-290-1660, Dominique Donat. Ou bien au carré l'aime tout, dans 617-416-87-98. Si tu as aimé, suivez l'émission ça dans grand écran, la caillou comme ça droit. Et puis, n'a pas capable de suivre l'émission normalement. En attendant l'arrivée de Stanley, n'a pas tourné back en don pause, monter monter, si tu es certain, n'a pas Stanley avec nous. Mais moi, pour régler tout le bagage. Quand t'as fait le Ah? Mon cher, madame, vous avez besoin comme ça, mon cher. OLC, rien à reprocher. Moi, ma chère, je suis différent. Tu sais comment accueillir une actrice de ton acabit. Mon cher, pas conseillé. Une petite femme fraîche comme ça, quand même, tu as un problème avec madame, mais. Et puis, chanter avec, soit faire plaisir. Ah, mon cher, sans répétition, one and one, moi avec lui seulement. Carlin is in a movie, but not this one. Au point mon vie, ça a fini avec quoi? On a fini. Je suis sûr que c'est la monde, ça a gagné ma foutue de la movie, attendez. Y'a pas football, j'ai les femmes. Y'a pas dirigé film. Je dois vous dire. De vivre notre télévision, qu'on est pas regardé, pas même qu'à parler de ça. Non, mais. Ou avec vous? Non, mais moi, dis. Madame. Si on fait un avion avec Mounio, même comme Mounio même, il n'y a pas même. Chacun a sa chacune. Ah ah, vous ne connaissez pas ton bail, vous n'avez pas besoin de connaître qui est sauté là-dedans, moi-même, je ne parle pas de bail. Caca, les vignes femmes ont des gâteaux guétal. Nous suivons avec beaucoup d'intérêt cette situation qui évolue à Boston. La première de ce genre, il faut dire, pour une si grande vedette du cinéma. À l'écran Superstar, un film de Marcus Darboz, Mars Production et Obed Louis Charles.
Based on a true story, s'il vous plaît. Son histoire qui est vraie. si nous pouvions, oui, peut-être nous sommes capables de mieux comprendre de qui ça se peut starier, et comment le film a déroulé. Je pense que ce n'est que le commencement. Nous allons continuer. Il faut suivre. Trailer de temps en temps, son moyen le 27 mai arrivé, nous avons aimé en pile des amis venir participer à notre grande première film ça, qui a déroulé ici dans Boston le 27 mai, samedi 27 mai prochain 2017. Et au même cap suivre moi là, dans New York, New Jersey, Canada, Philadelphia, quel que soit à côté. Et bien sûr, au capable de prendre charge pour faire film ça passer dans la zone beaucoup de côté là. Et puis, n'a fait ça. On a fait ça ensemble avec vous, ensemble. Parce que son film, là, on a beaucoup de monter ensemble avec nous. Et nous tient à ce que nous baillons tout le monde opportunité de garder le film ça, garder le bien. Il y a une histoire qui est vraie. Il y a une histoire peut-être qu'on connaît déjà. Ou qu'on y a des amis, ça arrive déjà. Ou qu'on y a une famille, ça arrive déjà. On est. Mais ça qui était important, viens regarder le film ça. Viens regarder. Suivre pour connaître qui côté l'a joué. Parce que quelque chose à côté l'a joué, je connais. Et je toujours bah nous adresse et place côté l'a joué, quel que soit la zone, quel que soit le pays, je vais nous. Son moyen de monde qui est dans la zone ça, capable toujours à le supporter. Et acteur ça, yo, dans Superstar. Et son film qui joue avec Anthony Miller. Yon les d'acteur, Soledad, nous sommes là tout à l'heure, dans la télévision, aussi bien que moi-même, a un pilote, gros tonton artiste qui fait part de films à Superstar. Stanley Luca, Gale Paretou, là, Simbamanti, c'est ça que lié. Nous parlons de la deuxième partie de l'émission, nous-mêmes, ça nous allons faire continuer comme d'habitude, et Chita, tant des questions, yo. Tandis comment que Stanley lui-même a abordé les questions et la bonne réponse surtout. Et donc, bien que en démission ça, un peu le monde dit ça qui est bon dans Stanley, c'est que monsieur pas n'est que parler pour parler. Monsieur aussi bonne référence, ça l'a dit. Et l'idou, mais qui côté au capable aller pour jouer comme ça droit. Ça, c'est yon beauté, monsieur Gela Kaili, un peu le monde apprécié. Pourquoi pas? Moi-même tout. Parce que l'on parlait avec référence, malgré pas la référence, oui, ou est-ce qu'il y a des difficultés? Ou est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre? Mais nous ne pouvons pas décourager, parce qu'en démission, ça tout samedi, nous avons couru, parce que nous avons une vidéo et nous avons son à voix samedi. Depuis que nous avons ça, nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas dire rien. Stanley Luca, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, Wilson, et nous dit Gérald, bonsoir, et puis nous saluer tout auditeur. Son plaisir, yon confort avec nous à Soya pour nous gagner Stanley. N'a pas commencé l'émission, hein? Je peux dire une triste nouvelle. Souvent, quand on parle de triste nouvelle, c'est la mort. Non, à Soya, pour qu'on gagne la mort, non? Par contre, si la mort va venir après. Mais pour Soya, pour qu'on gagne la mort, mais son triste nouvelle. Stanley en Haïti, je ne jeudi, par contre, sous cahier de moi, nous gagnons choléra, ça fait un. Nous gagnons. Comment elle a relé? Chikungunya. Chikungunya. Nous gagnons Zika tout, non? Mm-hmm. Ok. Ça fait qu'un peu le regret m'a pas annoncé les Haïtiens que nous gagnons l'autre la contre Haïti qui relé Morayo. Encore. C'est moustique qui pote virus ça dans le pays la caïnou. Que l'on veut ou pas, nous gagnons l'autre virus. Vous faites découvrir Haïti là qui est le Morayo. Stanley Luca, en font-il élaborer sur Morayo? Merci pour la question ça. Et songez que moi dit en pile auditeur que virus et bactéries. Représenter une menace de sécurité nationale pour le pays d'Haïti. Donc, je dis à tant que Wilson Sot dit là, nous au courant que moustique te konbay malaria,
Après ça, il vient by Chikungunya. Il vient tomber dans Zika et Kulia, son nouveau virus que moustique en bail qui est le Morayo. Morayo a lui-même li bay problème en dans cerveau si moun tant qu'ou adulte et li ontijan attaqué système nerveux. Donc bon série de recherches qu'a fait dans domaine ça que souvle et qui poko disponible. Mais gon étudiant haïtien qui au Brésil, monsieur te écrit un document sur Radio Caraïbe, ou bien doit regarder, il mettait Zika, mettait Haïti, mettait Radio Caraïbe. Monsieur te mandé que est-ce que gon laboratoire secret dans pays d'Haïti qui a produit virus ça? Parce que gen de fois virus ça c'est des bagages qui travaillent en laboratoire. Mais c'est pour ça moi-même moi te dis nous en dedans pays a nous besoin d'une doctrine de sécurité nationale et dans doctrine de sécurité nationale ça n'a pas considéré virus et bactéries comme menace. Donc faut nous mettre des institutions pour faire enquête pour écouter les bagages ça ressorti parce que y a un impact économique, social et politique. Donc concours Wilson se dit là un nouveau virus que moustique poté et tout bagage ça yo a affaibli l'état d'Haïti. Est-ce que gon côté cap travail pour affaiblir nous et en dedans pays a c'est rare pour un candidat à la présidentielle qui gagne sa relais un concept et une vision et une culture de sécurité nationale. Ça veut dire une vision culture de sécurité nationale. Moi avant nous gagne pas dans même camp politique. Mais quand il s'agit de la sécurité nationale d'Haïti, moi même avant pas de gain problème entre nous, nous doit gain consensus. Républicain à démocrate gon consensus que Iran son problème pour yo. Républicain à démocrate gon consensus que Corée du Nord son problème pour yo. Républicain à démocrate gon consensus faut yo faire attention à la Chine. Donc nous même là caille nous. Qui consensus nous gagne au niveau sécurité nationale par rapport à la République dominicaine, par rapport à virus ça yo et bactéries ça yo qui a crasé pays a. Donc pour moi même nous devons renouveler leadership politique là pour gagner monde de niveau qui ka konnen que devant intérêt national pays a nous pas ka diviser. Malheureusement, I'm sorry, from Dili, conseil de nèg mode de pensée en général moi le monsieur Saranako populiste, yo pas ka travail en commun à l'autre monde dans culture d'intérêt national ça et de sécurité nationale là. Faut que nous développer. Mais concours dia et Wilson son nouvelle triste que jodi a dans pays d'Haïti, gon nouveau virus additionnel et qui rele morayo que moustique bay. Soit dans Google ou à joindre tout détail. La microcéphalie, c'est-à-dire la naissance d'un enfant doté d'une petite tête. Ce n'est pas ça seulement, Stanley. Il y a une autre nouvelle qui baille et petite tête fait mal tout. Parce que je ne dis pas, pays côté de la qui c'est États-Unis, nous avons le Mexique, nous avons Panama, Suriname, nous avons Chili, nous avons Brésil. Sans que nous ne pas mentionner pays voisins, Mounsayo a plaigné à cause de haïtiens qui ont débarqué la caillou tant qu'on gagne la pluie. Nous parlons fontimayen problème ça qui existait peut-être que nous pourrons chercher ouais qui côté problème ça sorti qui fait haïtien a sauvé qui était pays Haïti par paquette puis la gekoyo dans l'autre pays ça. Depuis à peu près mars à jodia donc depuis Brive monté il y a à peu près 35 000 personnes qui quittent le pays. Il y a à peu près 12 000 au Mexique qui ont essayé de traverser les frontières pour aller aux États-Unis. Il y a à peu près 8 500 au Suriname. Et reste là séparé entre le Chili, le Panama, le Brésil et puis le Pérou. Donc ça veut dire qu'au niveau régional, il y a une préoccupation au niveau de poussée migratoire dans le pays d'Haïti. Est-ce que c'est gestion économique Jocelyn Brivet qui mettait nous là? Faut pas oublier que le Jocelyn Brivet arrivé, tout programme social yo, monsieur Fermin yo. Ça veut dire que nous tenons pays côté gain 6.6 millions moun nan misère à cause de sécheresse El Niño. Le Brivet vini au lieu d'augmenter, les renforcer le programme social, il le ferme tout. Ça veut dire que les gens qui étaient dans le moment chéri, ça ne le pas encore. Donc, il n'y a aucun côté pour l'aller.
li pa gen production. Programme en bas grand groupe et programme des peuples privé coupé. Même au niveau de la caisse d'assistance sociale, l'argent qui te compte baillé pour une série de malheureux. L'argent caisse d'assistance sociale là tout le monde connaît qui est dans parlement national qui recevoir. C'est un nèg qui travaille privé qui t'a habitué travail dans affaire sociale. Donc li l'on vient retirer tout programme de protection sociale yo. En plus comportement privé pendant 7 mois côté a tiré sous business privé, yo tiré sous Marriott, yo tiré sous Digicel. Il a attaqué une série de l'autre entreprise. Non seulement il a tiré sur des entreprises, nous voyons comment il a été débarqué dans son auto et l'a trié. Donc, attaque ça contre le secteur privé fait que l'investissement direct qui a commencé à entrer dans le pays, il y a ralombac. Parce que Nexa n'a pas garanti le respect de la propriété privée et de l'investissement direct. Donc, pendant privé monté, on perd à peu près 62% des investissements directs. Donc, activité économique yo étant donné que yo réduit même l'argent que l'état te kon ramasse dans taxe vin diminuer, ça veut dire que l'état te kon ramasse époque matérialité là à peu près 77.7 78 milliards de goud en matière de taxes. Jodi a l'état c'est 65 milliards de goud, vient on perd à peu près de 13 milliards de goud au niveau des recettes de l'état à cause du ralentissement des activités économiques. Donc, les privés ferment un programme social, c'est plus gros coup que le bail peuple là. Donc, pour moi-même, dossier migratoire, ça, l'organe des réponses privées, M. Dougue, il va recevoir mon yo dans la dignité. Et c'est bon réponse que lui. Il avait dit que son gouvernement démissionnaire, et avait dit un président de facto qui n'a pas de réponse à problèmes réels et problèmes sérieux que le pays a besoin. Je dis à par rapport à une crise aussi grave au niveau migratoire, gouvernement haïtien, premier ministre, et que nous parlons, et qu'on ne sait pas premier ministre, tu dois une stratégie nationale par rapport à la crise migratoire. Ça, ou un ex Jean-Charles, c'est comme s'il pas existé. Ministre de l'Intérieur, Annick François, ou est-ce que c'est écrit Banque centrale, mandé 350 millions de gouttes pour cadeau anonyme. Ou un ministre justice, non, monsieur, pas une stratégie. Donc, dans le niveau gouvernement, ça a un niveau d'incompétence et d'incapacité. Et c'est une raison qui fait que candidat qui proche gouvernement, ça a pour perdre l'élection. Et pour moun yo ka comprendre ça, m'a dit, ici aux États-Unis, parce que taux de popularité Obama haut, li bon pour Madame Clinton qui candidat pour pouvoir, par exemple, les Bush au pouvoir. Parce que taux de popularité Bush te bas, li t'a affecté négativement Mitt Romney qui était candidat au pouvoir. Je dis à ces mêmes bagailles. Étant donné que à cause de programme social, ça que privé pas fait, programme économique qu'il pas gagné, l'a mal géré l'État. Donc, taux de popularité privé à 4%, li affecté négativement Jude Célestin, Maryse Narcisse, avec Maurice Jean-Charles qui candidat qui fait partie de pouvoir ça. Maurice Jean-Charles tellement comprendre ça. Ou elle a baissé pour une distance dans critiquer privé. Et par contre, sur ça, il y a un sondage qui sorti là qui montrait que Madame Narcisse à 65%, Jovenel Moïse à 7%, et puis l'autre de Mbana Bataille. Où est ça déjà, non? Merci d'être posé belle question ça, une question senti bon, une question en or. Maryse Narcisse, ouais, qu'elle a perdu l'élection. Li comprennent ça en 1990 que nous y est, li kavin faire politique analphabète pas bête. C'est en 2016 que nous y est. Li sa rele les nouvelles technologies. Ça veut dire que information disponible. Donc, les mouè Maryse Narcisse a fait, ça rele en français, la médiocrité. Nan créole yore le sa coup crétin. Les mouè de coup crétin que Maryse Narcisse a fait, côté li chita sous computer, li font slide. Côté la baye tête li tout pourcentage sa yo, ça fait mouri. Ou même comme auditeur ou connaît ou habitué ou fait exercice là avec les bons sondages tout bon minimum sondage a 170 pages li bon pourcentage moun ki candidat à la présidence là dans tout département
moun ki derrière yo, yo bay au pourcentage yo dans chaque département. A dit que l'op parler de sondage tout bon. Sondage a doué go au moins entre 150 et 250 pages. Li doué go au moins minimum 300 tableaux là-dedans. Donc Maris monte sur petit computer dans Fondation Aristide, li font petit slide, li bay tête li 80% et puis dit les autres 20%. Ça c'est du crétinisme, ça montre à qui pour monsieur Lavalas yo crétin, yo pa gen moun compétent k'ap travay pou yo. Maris ta konnen que tout moun getan wè son kou crétin qu'il fait. Bon soue Jean ou getan commence à passer nan bêtise sur Facebook avec petit slide qu'il fait sur computer là. Et pa fòt li. Et j'ai l'impression que gon panique dans Lavalas là étant donné que yo couri derrière yo go naïf, yo couri derrière yo cap, yo couri derrière yo wanamet. Et Tigouave yo di yo pa passe, yo oblige kite Tigouave, yo kouri de yo akin, donc yo gon problème réel en matière de campagne. Et moi même yon nan ba ki permet mwen wè, kote frustration perdu ya, même sou Aristide li rive, c'est le Aristide rive nan NIP, et puis c'est pour ça wè ou même l'objet ou en campagne électorale, même l'ordre de faut essayer de faire des attaques agressives pour sou ka passe devant. Faut faire attention, l'op fait attaque agressive, yo pa meto nan tout. Par exemple, les Aristide rive nan NIP, li dou banan nan gâté. Comme si M. Tavle dit que tout banan ke paysan pays d'Haïti a fait gâté. Et kon koum ta dou, les Aristide di banan nan gâté, c'est publicité qu'il a fait à l'étranger pour dit que tout banan ke paysan planté nan pays d'Haïti gâté, comme si pou yal craser production banan pays d'Haïti. Tout le monde qui est en ouest, son commentaire méchant, les Aristide rete nan NIP, li di ou que banane que paysan a produit dans le pays d'Haïti gâté. Ça montre au côté destructeur, monsieur. Et tout le monde vient comprendre que ça semblait, monsieur, c'est monsieur qui te mette en bargo et qui crase l'économie pays. Ya. Et c'est monsieur qui te signe un contrat avec Bill Clinton pour venir craser Diri la Tibonique. Donc là, monsieur levé li di ou banane que paysan pays d'Haïti a produit gâté. Donc, ou tout est son nèg qui perdit la carte et qui perdit fil, li gen frustration, li par contre qui jan pour le pomper, campagne Maris Narcisse. Chaque fois l'essayer, li prend un coup. Et, femme ta partage ça, vous Stanley. Je ne je dis, haïtien qui vivent ici aux États-Unis, un pile bouche presse, comment c'est à fait là, un pile moun mauvais, concon, le que yo apprenne, et gouvernement, Obama pral mette main sou un pile haïtien sans papier comme ça dirait yo pral déporter moun sa yo en Haïti. Ça crée une sorte de mécontentement la caille nos frères et sœurs haïtiens qui vivent ici aux États-Unis, gen haïtien qui même dit yo t'a pensé kou ça c'est ta bon républicain tabayol, c'est pas ta Obama qui pour ta administration Obama pour tout haïtien sa yo t'a pas joindre déportation yo. Un, qui ça Obama gen pour avec déportation Stanley monsieur Gombaga dit qu'a fait dans ça ou bien immigration c'est son bagage qui complètement différent de gouvernement américain. Bon, et effectivement gouvernement Obama a sorti un communiqué côté pour accélérer déportation en série d'haïtiens. Bien entendu, tout leader communautaire yo qui nan diaspora ici aux États-Unis nèg yo mauvais konkon. Et c'est pour ça yon nan leader sa yo Jean-Robert Lafortune monsieur sort en communiqué pour dire que et Marlène Bastien tout qui une organisation qui les femmes haïtiennes en Floride yo dit que président Obama trahit haïtien américain yo. Et Jean-Robert Lafortune lui-même lui dit que lui mande démission et secrétaire ministre Homeland Security hein, parce que monsieur bay menti dans congrès a, par rapport à haïtien sa yo qui a subi en pile menace si retourner la caillou. Donc gon mobilisation qui commençait dans mitan communauté haïtienne qui vit aux États-Unis hein. Mobilisation ça c'est dans Florida, c'est dans Atlanta, c'est dans Maryland, c'est dans New Jersey, c'est dans New York, Connecticut, Chicago, Boston et Californie pour comment nous mettre tête nous ensemble pour nous garder qui gens pour renverser décision ça. Mais en plus de leader communautaire,
l'état bon pour que 28 élus haïtiano-américains que nous gagnons yo mettent yo ensemble non conférence de call non conférence call pardon avec leader communautaire pour définir une stratégie et pour moi-même et élu haïtiano-américain yo qui à peu près 27 28 ta doit mettre tête yo avec moun qui dans fédération globale de la diaspora moun qui dans front uni de la diaspora pour nous faire une conférence call pour tête frette sans qu'elle saute nous définissons stratégie pour nous connaître qui j'en pas lobby congrès a qui j'en pas lobby administration Obama pour renverser décision ça qui a affecté en pile haïtien aux États-Unis. Donc son question de stratégie pour élaborer bien entendu première réaction c'est des réactions très émotionnelles d'activistes qui gagnent sans haïtien dans cœur. Donc c'est tout à fait normal que vous réagissez comme ça. Pour moi-même, dans semaine ça va venir d'ici mercredi et les Jean-Robert Lafortune, les Joe Baptiste, les Lionel Jean-Baptiste, les docteur Loredan, les Pierre-Paul Cadret, les élus haïtiano-américains concours sénateur de Sénat et député Campbell, mon estime meilleur Joseph Alex Desulmé Akanj Chanet qui nan nous jese la kap gade nous tout élu sa yo nous ta dwe monter ensemble son conférence call pour nous wè comment pour nous adopter une stratégie pour nous venir en aide parce que l'on gade annonce de voyage département d'état après quitter député jeudi député jeudi bon on est député jeudi et tout près nous nan kè nous que lié peut-être ça on connaît député jeudi on connaît pas yo c'est photo mitan envoyé on ça donc et l'idée très important que communauté a nous d'ici mercredi là nous font conférence call et puis pour nous inviter Wilson Oxeus, Alex Saint-Surin, Evrard Saint-Amand, Patrick Eliancy, Yves Montpremier, tout gros journalistes monsieur Sigen non nous oublier non nous pas fâché avec moi. Donc et pour nous mettre tout le monde ça ensemble dans conférence call pour nous déterminer une stratégie et pour nous être qui gens nous ka overcome question ça surtout année ça son année électorale donc si communauté pa nou paraît tête li devant aux États-Unis la bon impact immédiat donc si nous ka réuni là sous conférence call là d'ici mercredi nous demander la fortune Lionel Jean-Baptiste Joe Baptiste relé moi en garder qui j'en ka lancer initiative là pour que d'ici mercredi nous faire conférence call là pour que toute association professionnelle tout yo association docteur, association infirmière, association policier aux États-Unis, association professeur, toute association yo tout, étudiant yo tout, participer pour nous gon stratégie et une fois que stratégie a mis en place, eh ben d'ici semaine après a, n'a pas le résultat. Faut nous font activité ou plusieurs activités avant élection novembre, n'a pas gain un résultat parce que élection sensible bouyo, les gain différence seulement 2-3% en deux candidats yo. Il y a besoin de tout le monde donc est obligé par résultat. Et n'a pas signalé pour mon tout, les nous arrivons dans situation dans genre de situation ça yo monde qui citizen yo c'est le ça pour nous faire preuve citizenship nous que nous ces citoyens haïtiens et confrères avec ceux que va voir Haïti yo c'est haïtien quand même. Dans sens ça Stanley monde qui citizen yo yo gain gros rôle yo ka jouer dans ça. Surtout yo même monde qui citizen yo et faut nous écrire dans le Congrès américain hein, et moun ki chairman Homeland Security dans Sénat et dans Chambre des députés a et nous écrire député qui toujours prend cause nous en main ou gen doit écrire député haïtien Congrès ou maintenant qui rele Mialov mandel poser je sous ça ou gen doit écrire John Conyers son nèg qui toujours accompagne nous dans tout problème que nous gagne en tant que peuple. Et gen sénateur député qui nan état côté haïtien rien nan Floride c'est Bill Nelson avec Marco Rubio nan New York nous connait des moun qui sénateur nou yo n'a parlé avec yo nan New Jersey nous connait et vice chairman comité relations internationales la Menendez son nèg qui très proche sous les de communauté haïtienne nan gen docteur de Rivière qui connait tout moun sa nan New Jersey. Et puis bon tout consilmen nou yo consilmen au bout consilmen Chanet pa bien cité non non contente non donc on essaie fon pote coller en chita ensemble mercredi non conférence call et puis nous garde pour garder qui stratégie parce que nous wè que gouvernement de facto privé a li tellement faible
pas gen trop bagay ke l ka fè. Et bagay la c'est nan men citizen ke li k ap ekri député ak sénateur, c'est nan men élu avec leader communautaire qui ici aux États-Unis. Appel qui lancé et bien sûr, et c'est l'heure pour nous unir tout bon vrai temps yon nation pour nous défendre yon seule cause. C'est ça? Bon, son bail qui est préoccupant, c'est 35 000 Haïtiens qui quittent le pays. Et Haïtiens qui sont en Haïti, qui ont essayé de traverser les frontières californiennes, c'est 6 mois de marché qui ont fait pour arriver côté Rivière en Californie. C'est bon, je vois que ça y est. Il y a des gens qui mourent dans la route. Lorsqu'on traverse la jungle brésilienne, il y a un paquet de dangers. On sait en pile bête dans la jungle brésilienne, Anaconda et la trier qui tuent les gens. Donc, l'organe de moun yo kap voyage a, c'est des mamans petites avec ti moun. Donc, il y a des dangers permanents, non seulement bêtes, des virus, des maladies qui menacent moun sa yo. C'est frère et soeur pareil, non. Mais bien sûr, banana ko populis porto prince yo, nèg yo pa bay la vie humaine, presque même valeur à nous-mêmes. Parce que nous, dans le pays d'Haïti, nèg yo pa valoriser la vie, particulièrement banana ko populis yo. Nous-mêmes, nous valoriser la vie chaque Haïtien, quel monde la ville, quel monde dans le monde, quel riche, quel pauvre. Quel que soit côté de sortir, la vie en Haïtien, son bagage qui sacré que lié. Faut pas oublier, nous sommes les premiers des Noirs. Donc, nous ne pouvons pas comporter nous comme ça par rapport à la vie. Donc, par rapport à Haïtien, pareil, nous, qui avons souffert là, près de 35 000 qui ont déplacé vers les États-Unis et qui ont passé dans plusieurs pays de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. On travaille ensemble pour nous développer une stratégie parce que nous avons l'impression que dans le niveau et gouvernement et Jean-Charles et président de facto Jocelyne Brivère, une fatigue, une incapacité de réflexion et de stratégie. Donc c'est nous-mêmes, bon, ici, qui avons fait réflexion ça. Là, nous faisons développer une stratégie. Les gens qui bien avec Brivère dans la diaspora, certains, gagnent des toits qui bien avec Brivère. Yo carré les yo dit mais cette stratégie que diaspora a proposé. Mais en attendant nous même qui aux États-Unis on colle les épaules, on colle les têtes nous pour nous qui ça ne ca faire pour faire un axe nous quand danger. Qui se passe là, nous bien n'a précisé 22 et septembre qui se passe là. Président provisoire monsieur Jocelyne Brivère, monsieur était prend la parole dans l'ONU. Côté monsieur t'a représenté haïtien. Monsieur t'a parlé sous nom Haïti. Il y a deux questions sur ça, Les premières questions, hein, sous qui base monsieur de j'ai une invitation hein, et qui Jean y a-t-il recevoir monsieur l'arrivé dans l'ONU. Et deuxième question, hein, est-ce qu'on est capable d'analyser pour Mounio Kapchivla discours que le président provisoire a été fait dans l'ONU? Bon, merci pour belle question ça. En matière de contexte au niveau des Nations Unies, depuis les années 1990, les grands dictateurs qui décident de faire élection pour orienter le pays vers la démocratie, ou bien le gouvernement militaire qui a essayé de faire élection pour orienter le pays vers la démocratie, ou bien le gouvernement de facto, eh bien, Nations Unies est toujours qui ton porte l'ouvrir pour eux, sans façon pour eux venir faire un discours, pour eux prendre des engagements qui n'ont pas aucun équivoque dans l'élection qui a été faite. Et c'est pour ça. Par rapport à l'engagement que Privé prend devant la communauté internationale là, pour l'élection en fait 9 octobre, depuis M. n'a pas fait l'élection, ou bien M. avec Bélanger a laissé faire tentative de coup d'État électoral, Mounsaïo, m'a garanti presque à 100%, nous allons visiter la pénitentiaire nationale le 10 octobre. Donc, ça a clair. Pour l'IA, en matière de discours, nous allons dire trois bagages dans le discours. Premier bagage que m'bral di nan discours, c'est que discours c'est copié, pratiquement c'est copié ça Laurent Lamotte te dit dans discours qu'elle te fait 23 septembre 2013. Parce que moi-même c'est mon samier. Moi-même dou ça là à sur YouTube chercher discours Laurent Lamotte 23 septembre 2013 là, ou après que c'est même approche là, c'est même méthode là que privé copier. Laurent Lamotte c'est premier dirigeant haïtien qui monte dans l'ONU, il dit faut que l'ONU accepte responsabilité morale pour eh ben affaire choléra qu'elle lague dans le pays d'Haïti. Vous songez Wilson, nous t'ai fait une émission comme ça et sous discours ça côté nous t'ai dit que
une fois l'ONU admettre responsabilité morale li, ou li a ou al travail sous responsabilité civile lan, pour le dédommager 9000 moun, 9000 familles qui perdent 10 moun dans choléra, et ben nous l'argent que nous besoin pour nettoyer choléra en dedans pays a. Donc les Brivet al parler de choléra dans Nations Unies, pratiquement c'est Laurent Lamotte gouvernement tête caléa qu'il t'a imité. Ça est premier bagage là. Discours à l'âme dit nous, al garde discours Laurent Lamotte 23 septembre 2013 al lan YouTube ou ap joine. Deuxième bagage là que m'abdou c'est que Privé va défendre intérêt pays d'Haïti dans le discours qu'il fait dans Nations Unies. C'est un plus mauvais discours qu'un président haïtien fait dans Nations Unies. Ça m'a caché d'où pour ça. Intérêt pays que Privé va défendre, premier pays que Privé va défendre intérêt, c'est Taïwan. Lorsqu'il y a des discours, tant qu'on ne parle pas d'un coup, M. commence à parler de Taïwan. Pas aucun construction, pas aucun préparation, monsieur. Entraînons à faire Taïwan. Sous son monde qui compte dossier, sous son monde qui compte qui ça intérêt pays d'Haïti, vous demandez pour qui ça m'a entraîné à faire Taïwan. Non? Parce que si c'est intérêt, peuple haïtien qui a défendu, ce n'est pas drapeau Taïwan qui a défendu sous tribune Nations Unies. Si c'est intérêt, peuple haïtien qui a défendu, ou qu'on est que journée aujourd'hui, avantage pays d'Haïti, c'est dans la Chine populaire qui est lié. Nèg yo monte un fonds global de 8 milliards de dollars américains pour des pays qui ont coupé d'Haïti pas gen moyen son forme de banque mondiale que nèg yo mette, même l'Angleterre est entré dans banque mondiale ça. Donc son nèg c'est drapeau Taïwan pour le défendre dans Nations Unies et pas peuple haïtien pour défendre intérêt. Donc ça veut dire que est-ce que Taïwan ba M. 1 million pour la faire une fondation parallèle pas président de facto, m'pa konnen. Mais dans le discours, les MC Kembe drapeau Taïwan sous tribune Nations Unies, ce n'est pas Haïti qui t'a défendu. Parce que si M. t'a défendu le pays d'Haïti, il t'a parlé de la Chine populaire. Ouais, je vous dis, la Chine populaire, on série de gros infrastructures que nous avons construites là pour les pays de l'Afrique. Avec bon gens deal. Il faut qu'on négocie, frère, pour faire deal ça. Si pas qu'on négocie, on va faire deal ça. Donc, premier drapeau que vous faites. Kembe dans Nations Unies, c'est drapeau Taïwan. Deuxième drapeau que M. Kembe dans Mel, qui n'est pas drapeau pays d'Haïti, c'est drapeau République Dominicaine. Comment on voulait, après que Dominicain au fin maspiné 250 000 Dominicains d'origine haïtienne qui ont mis à patride, et puis j'en ai traité près de 150 000 Haïtiens sans papier, je ne sais pas si je pardon, mot sur la République Dominicaine. Donc pour moi-même, c'est un plus mauvais discours qu'un président haïtien fait dans les Nations Unies. Côté des drapeaux qu'il a défendu, c'est drapeau et République Dominicaine et drapeau Taïwan. Et pas drapeau pays d'Haïti que M. a défendu. Moi, je suis déçu en pile, même pas saisi. Et type de président de facto, ça a eu, c'est type de performance ça a eu que, ben, je ne sais pas si c'est Deliane qui écrit discours, qui moun qui écrit discours, mais son discours qui était vraiment piètre et de bas niveau. Tout à l'heure, Stanley, on parlait de Ban Ki-moon et madame M. Fimila comme secrétaire comme secrétaire et l'OEA. Jusqu'à présent, est-ce que n'a quitté monsieur Allé? Bon, bagage n'a quitté nous pas ca mari, monsieur n'a pas ca minoter, nous pas ca faire rien. Et question, est-ce que monsieur pourrait aller tout bon vrai sans papoter excuse et il pas ba une excuse formelle avec nation haïtienne non pour tout abus qu'il a fait surtout dans histoire choléra et fait d'appian sous ti mesdames nous yo voler cabrit moun yo comme si pas un moyen même monsieur pour aller monsieur pas même demander excuse ça bon et ça haïtien nous y nous pas gain cerveau et racine diplomatique nous là depuis sous tout saint l'ouverture. C'est ça nous gagne comme inspiration, comme racine au niveau diplomatique. Nous pas n'importe qui moun. Donc, pigab Ban Ki-moon prend nous pour servir. Parce que les Ban Ki-moon a font paquet de jeux de mots. Et puis il prend deux trois petits journalistes qu'il paye pour faire écrire des articles soit dans et Miami relancer de côté comme si il t'a remet, il regrette ça qui passe en Haïti. Il regrette la pas veut dire rien Ban Ki-moon. Nous-mêmes haïtiens, c'est petit
Toussaint Louverture que nous y. Toussaint Louverture était tellement bon qu'il était le diplomate de son siècle. Elle dit que nanti jouet mot ça yo quoi faire depuis sous Toussaint Louverture qui était roulé les Français, les Espagnols et les Anglais qui étaient roulé son tonax pour joindre la libération générale des esclaves. Faut fort tout bon, il a diplomatie pour te faire bail ça. Depuis là ça nous conti tactique ça. Donc l'on fait jeu de mots dans Miami Herald. Ou vinn di ko regret. Regret pa vle di rien. Jou ap pale a pèp ayisyen en tant que secrétaire général Nations Unies, ou ap di pèp ayisyen ou présenter des excuses formelles pour choléra que soldat ministre te lagué dans pays a. C'est laisse ça ou ap présenter des excuses formelles. Mais nantan di gen de nèg qui pas habitué gen cerveau wot. Et puis parce qu'on dit yo gen regret nèg yo gen content yo excité nous même qui konn ligne l'ouverture nan nous konn jeu de mots yo pa vle di rien regret la pa vle di rien avec regret là pa aucun moun ke choléra touye ke famille yo pral joine de dommages lors du regret là sou respecter nous en tant que peuple qui fonde Nations Unies ou pral di formellement qu'on présente des excuses bay peuple haïtien pour choléra que soldat ministère ou lagé dans mi balle qui vinn infecter pays a de choléra. Laisse ça Nabdou. Merci secrétaire général, ou respectez nous en tant qu'haïtien, ou respectez peuple haïtien, ou respectez la première république noire du monde. Et puis laisse ça n'a pas au sérieux. Et puis laisse ça n'a pas entendre avec vous comment des dommages pral fait. 9000 familles qui gen moun yo mouria, comment pral dédommager. Et en même temps tout, nous allons parler avec vous pour venir dire nous clairement qui j'en parle ban nous 1,2 milliard que nous besoin pour nettoyer pays de bactéries choléra. Mais ti jouet mot que bonne qui mon a fait là, mandal va finir en décembre, il comprend ti jouet mot ça yo qui a passé maintenant tête nous pour faire nous oublier ça pour le faire normal. Ça pour le faire normal là c'est excuse formel ou pour bail li frère. Ça fait des regrets. Je ne regrette pas les dents. Or, Stanley, élection dans le pays, nous, élection pour les Haïtiens. Nous parlons d'eau pour les auditeurs, aussi bien que téléspectateurs. C'est déjà 8h49 à nos studios. C'est-à-dire que nous ne sommes ni radio ni télévision au moment que nous parlons. Élection 9 octobre, d'après vous-même, est-ce que tout bagaille parie? Et en dans élection 9 octobre ça tout qui ça pour population t'a veillé ou bien t'a et porté plus attention pendant déroulement élection ça. Bon, et grand pile bagay que nous connaît et bon, il y a des nouvelles qui baï dans radio bulletin au paré, il y a tant débarqué Port-au-Prince, il y a metté au dans dépôt, on va commencer distribuer. Bon, tout bagay k'ap mache, on m'pa tellement parler de yo, moun konnen ki sa yo. M'pa parler sou bagay ki reprezante un danger pour élection. Premier bagay ki reprezante un danger pour élection que Léopold Bélanger, Carlos Hercule, Marie-France Joachin, Jean-Simon Saint-Hubert doit éliminer pressé, c'est ça relé observateur communautaire. Son position qui va exister dans décret électoral là. L'on moun observateur ou pa ka employé KEP. Ou gon soutien indépendant. Mais Jean yo créé poste ça en dans KEPA, son poste illégal que lié qui violait le décret électoral et qui violait la loi sur la comptabilité publique et qui posait des conflits d'intérêts. Comme on voulait pour Léopold Bélanger, Carlos Hercule, Marie-France Joachin, Jean-Simon Saint-Hubert Sotinan RNDDH. Monsieur Albrand Moun dans RNDDH. Marie-France Joachin sorti dans Sofa. L'Albrand Moun dans Sofa. Léopold Bélanger sorti dans CNO. L'Albrand Moun dans CNO. Nèg yo monte un stricti parallèle de coup d'État en dans KEPA. On série de moun pa yo. Yo ba yon paquet l'argent l'État. Yo ba yo pouvoir que décret électoral la pa gen la dan yo. Pour al préparer coup d'État pour yo. Ça n'est pas acceptable. Bélanger s'ouvre l'écrasé élection, Carlos Hercule s'ouvre l'écrasé élection, Marie-France Joachin avec Jean-Simon Saint-Hubert
et puis un militant de droits humains qui dans la ria que tout le monde connaît avec un avocat qui était dans mot pour pas d'ailleurs c'est au même qui a mettre stricti ça en dans KIP en dans BCN pour aller faire coup d'état électoral. Donc mes amis, pas dit nous ça à l'avance, mais yo mettez un stricti indépendant, yo même fait procès verbal spécial pour yo, yo bail autorité pour aller éliminer procès verbal. Yo ba observateur communautaire autorité pour parler à chaque votant qui entre en dedans pour manipuler orientation vote là tout bagay ça illégal yo pas dans décret électoral là donc moi même conseil que m'ba monsieur éliminer poste observateur communautaire qui pas légal et qui pas constitutionnel et qui viole le loi sur la comptabilité publique et qui gagne conflit d'intérêt là-dedans ou pas qu'à la fois juger parti. Deuxième bagaille, dit monsieur KIP autant pris souple, pour pas mettre pays dans l'obeil. Statisticien qui était dans commission présidentielle falsification, yo prend de la dedans. Yo mette directeur tabulation. Deuxième nan yo mette le directeur adjoint centre de tabulation. Mes amis, comment on fait prendre moun qui était dans commission présidentielle falsification privée pour aller mettre en dans KIPA comme directeur centre de tabulation et directeur adjoint. Non seulement au niveau politique, li voye un mauvais message que c'est coup d'état quoi paré, mais au niveau technique tout le voye un mauvais message parce que analyse que mission d'observation électorale yo te fait montre que moun sa yo pas compétent. Parce que au fond paquet erreur factuel dans rapport que vous avez préparé mission d'observation organisation des états américains te joint travail technique nèg sa yo pas factuel c'est fabrication que vous avez fait mission d'observation de l'Union européenne te joint que statisticien siev sa yo pas bon donc messieurs dames à 15 jours avant élection puis ton chercher moun qui compétent qui compte dossier yo mettez au directeur adjoint et directeur centre de tabulation, moun sa yo qui sorti dans commission présidentielle falsification, tant pis s'il vous plaît, mettez à terre. Dernier bagage que m'a dit sur élection, et m'a répété ça, chaque fois m'nan radio ça, jusqu'à ce que l'élection faite, dans télévision ça, jusqu'à ce que l'élection faite, ou gen deux âmes dans mon comme citoyen, servi bien avec yo. Premier âme qu'on gen dans mon là, c'est carte électorale là. Al voter en masse le 9 octobre. Ma prébete l'encore. Premier zam go gen nan mon nan démocratie, c'est carte électorale là. Le 9 octobre, al vote en masse, bon non président depuis le premier tour. C'est pi gros cadeau qu'on ka fait pays d'Haïti. Deuxième zam go gen nan mon là, c'est ti téléphone nan là. Ouais, ti téléphone ça qui nan mon là, c'est un pi gros outil que démocratie a ba. De pou mon ba a passé mal. Fait photo, fait vidéo. Li te met ton petit téléphone, $20 acheté, li ka fait photo, li ka fait vidéo. Sou pou kokon ki jan pou faire photo, pou ki jan pou faire vidéo, fè moun montre. De pou fin faire photo à vidéo a, tan pri voyel pou mwen nan inbox mwen sou Facebook ou bien voyel pou mwen nan inbox mwen sou Twitter @StanleyLucas01 ou bien @commercial_StanleyLucas01. Et puis l'on voye ti vidéo a, ou bien ti photo yo ban nou avec un petit description, n'a dit le monde, gardez moun sa yo, gardez sa fè. Parce que, avec technologie de l'information kou li a, tout moun ti pa fon. Donc, ou même, comme citoyen, servi à deux amours. Carte électorale là et ti téléphone. Ou on est nan violence, filmel. Ou on est ap vole élection, filmel. Ou on bagay la police qui nan mauvais affaire, kapese bat moun, en favon moun, filmel. De pou gen document sa nan moun, pa gen yo di. Tout le monde, tout pays d'Haïti après elle et toute diaspora après elle. Et c'est ça que lié. Qu'il y a nous parlement de Poufonti parler pour nous et de démission et président et Bedla. Et Bed, dans le plateau central. Nous parler de M. Pouy dans l'hôtel là. M. démissionné là. Et d'après vous-même, qui s'est passé? Qui a peut-être poussé M. à démissionner? Quelques jours d'élection, bien sûr. Bon, et te gon chire pit nan bet plateau central là, ou qu'on est plateau central là, c'est un département côté toujours gen violence, toujours gen gros problème. Il y a à peu près 4 départements géographiques dans le pays. Il y a 2% de monde qui a suivi l'élection. Ou qu'on est en général 4 départements toujours, 5 départements qui toujours chire pit. Plateau central, c'est un côté.
toujours un problème mi balai, toujours un problème nan hench, tout le monde c'est caraval côté ça toujours un problème c'est côté chaud. Donc pour qui ça président Bedlan démissionné, m'pa fin konn détail yo, mais m'konn té gon gros chirépit en dans Bedlan. M'pa fin konn détail yo, peut-être que sous le dimanche prochain nous ka tourner avec une analyse approfondie, mais son ba inquiétant que un président de Bed à 15 20 et 17 jours des élections, et bien qu'il démissionne. Donc on analyser et situation sécurité a, parce que d'après Mathias Pierre et monsieur dit au tiré sous Moïse sous Moïse Jean-Charles et candidat pour sénateur Gracia Delva yo ronfle monsieur à chapelet côté que tout souci monsieur coupé là ba coup de chaise ou bien ba contre coup de bâton ba contre coup de table nous aussi tout l'autre militant petite Dessalines dit que pas de ça qui ça qui doit faire pour améliorer situation sécurité paysan. Parce que les gars, bon, même parce que la police nationale, là, si la regarde dans l'archive, la joint à peu près 5 départements géographiques côté qui ont des problèmes de violence. Bien entendu, l'Ibal prend en considération 1600 personnes qui mourent par balle depuis que Privé monte comme président et que de facto coulia. L'Ibal prend en considération 79 policiers qui tombent. Département qui rouge yo, ça veut dire 5 départements ou 4 départements qui gen problème sécurité yo. Et bien la police nan pral met une stratégie de sécurité d'abord pour renforcement capacité locale yo. Moi te dit que li important pour que ministre de la justice nan achete à peu près une trentaine de drones. Drones nan son ti appareil ko gen nan mon côté les guider, li gen des tielis la dan. Li permet toi à filmer toute zone électorale yo et à suivre et pendant chita nan poste police là depuis ou gen tan fait training nan training pour serveur on drone son bail qui prend 10 jours donc yo gen tan acheté yo ka fait training pour yo donc côté qui rouge yo ou achete une trentaine ou quarantaine de drone c'est bon bail capable coûter cher en général on drone ou ka joine drone pour $1,500 ça son détail que li donc ou acheter quelques drone ou gen tan fait training nan. Et puis tout côté quand rouge la police a filmé et puis il y a un reportage en direct qui a vinn joindre ni pendant que drone n'a passé en l'air dans zone côté moun a voté si gen moun qui dans violence ou tout filmé l'enregistré et leur déplacement contre qui moun pour al prend. Donc pour moi même et doit gon stratégie de sécurité faut gen clarification qui est attaqué Gracia Delva faut gen clarification qui fait tout dans ces cacaval et qui député qui a fait violence l'autre bois tout bail ça yo mandé enquête et bon pour dans capitule de Saline nous avons un problème on bo Mathias Pierre dit au tirer sur Moïse on l'autre bo on l'autre dirigeant petit de Saline qui dit sur radio pas de gain sa pièce donc est-ce que son montage est-ce que son division ou bien est-ce que c'est pour bail Moïse attention ou bien est-ce que c'est vrai si c'est vrai est-ce que c'est Aristide qui voulait faire Moïse tourner ou hier Jean Baron et mais l'essentiel c'est que information qu'a venir soit fait Moïse c'est des informations conflictuelles que et râle zam sou yon jeune garçon si c'est pat yon sénat yon candidat au sénat qui t'est entré dossier assemblée monsieur t'a fusé jeune ça on font pas parler de ça assemblée. Bon, à Odon bien-aimé, un ancien soldat, l'armée d'Haïti, qui vient débuter journée aujourd'hui, et monsieur a des comportements vraiment étranges. Effectivement, nous avons un dossier ça, son jeune étudiant quoi, en relations internationales, qui est Étienne Chira, que monsieur a agressé. Si ce n'est pas le sénateur, candidat au Sénat, Willo Joseph, eh bien, monsieur de Katsuye Nègla. Donc, bon. Aoudon toujours gen des réactions très violentes et même les dans chambre gen des logas de comportement. Donc n'a dit Aoudon c'est pas dans l'armée que lié et c'est politique qu'il a fait. Faut gen plus de tolérance. Donc dans zone où on soit perd du pied, si gon paquet de jeunes qui pas de travailler avec vous, faut respecter volonté politique yo ou pas ka comprendre que ou après laisser faire violence dans ces cacavaral, violence avec démocratie c'est les accidents. Donc nous pensons que député Aoudon bien-aimé doit faire attention parce que c'est la jeunesse qui majorité votant dans le pays à forme se respecter. N'a pas entendu dans Jap Stanley 20 qui se passe là Jap
tu as décidé de mettre 5 candidats face en face. Alors, c'était 6 invitations qui étaient bail pour les 6 meilleurs candidats pour 9 octobre qui a venu là. Malheureusement, il y a un candidat qui était réduit pas te présenter. C'est bien sûr Madame Narcisse. Les 5 candidats qui ont été participés, Stanley, brièvement, nous parlons de comment ou est et participation candidat ça yo. Comment monsieur Damio te parlé, comment te présenté yo, forme de grand pile ti monte descendre dans façon monsieur Damio te présenté, mais quand même nous pral bon chance opportunité pour élaborer peut-être un grain de minute pour chaque candidat. Bon, et l'homme vient non débat présidentiel et en général c'est pi gros, un pi gros événement politique à pas jour pour pral voter a. Et puis gros événement politique là c'est débat présidentiel là. Pour qui ça organise un débat présidentiel non démocratie les gain élection. Libre opportunité à partir des questions que vous posez candidat yo pour un plan yo, pour une vision yo, pour une solution que vous gain pour problème qui dans société a et dans réponse que y a bail yo et gens que y a bail réponse yo ou profiter pour expérience yo, connaissance yo, capacité et caractère. Et c'est pour ça, en général, débat présidentiel sont bagay très important. C'est plus gros événement politique à part élection, jouer élection dans la société. Les un candidat à la présidence vient non débat présidentiel, il vient avec des objectifs politiques. Objectif politique, ça, c'est environnement électoral là qui définit. Ça veut dire que sous son monde qui est dans le sondage, ou va laisser attaquer moun ki devan yo, ou va laisser marquer point, ou va laisser montrer qu'on connaît, montrer qu'on gen solution pour ka gen débat pour passer devant dans sondage yo. Sou son moun ki devan, ou pa nan attaquer moun, ou calme, ou prend précaution pour pas jamais faire erreur, ou bay des réponses tempérées qui montrent qu'on problème yo, ou gen solution à yo même, ou montrer qu'on son leader. Ou montrer qu'au présidentiable, ou montrer qu'au cas travail à tout le monde, en général, le monde qui devant, c'est comportement ça qu'il gagne pour le cas qu'un bémoto qu'il devant. Tant que vous dites là, vous avez invité 6 candidats qui devant dans le sondage, Jovenel Moïse comme premier, Gide Célestin comme deuxième, Moïse Jean-Charles comme troisième à 12%. Maryse Narcisse comme 4e à 7%, Jean-Henri Séan à 1,3%, Edmond Bozil à 0,7%. Maryse Narcisse décide que li pa vin nan débat. Ça, c'est premier perdant. Lorsqu'on candidat à la présidence, ou pa vin nan débat présidentiel, qui c'est pi gros événement politique année à part de l'élection, l'on pas mettre pied dans débat ou pas respecter moun ka pral voter ou pas respecter journaliste ou pas respecter institution pays a et ou pas respecter diaspora parce que débat présidentiel là son événement unique lié dans toutes les sociétés démocratiques. Gardez demain là pour un débat présidentiel aux États-Unis bien plus passer 100 millions moun ka pral regarder débat aux États-Unis seulement. Si Madame Clinton pas présenté demain, tout perdit. Si Donald Trump pas présenté demain, tout perdit. Ou après que tout l'aide à répondre. Donc les Madame Maryse Narcisse pas répondre, c'est tête li qu'elle crase. Elle dit à 7% que li a, li probablement pral descendre à 3%. Automatiquement qu'elle pas présenté a, non seulement son calotte et se crache il crache sous tout peuple là, sous tout pays là et c'est sous toute diaspora. Mais en même temps tout, il crée une dynamique contre lui qui pas bon. On a passé dans bêtise. Et dans politique depuis commencer pas son dans bêtise avec d'où fini net. Avec dit gande mon dans l'arrière qui a dit bon comme il va pas kembe mais Aristide pour la ensemble Aristide, c'est pour ça il va pas aller. Et pas deux blagues il fait sur madame là. Et dans politique depuis ouais électorat commencer faire blague sur ça veut d'où pas camper soin. Il y a 5 candidats qui participent dans débat. Ou même quand on est là, on va être dans le débat présidentiel. Lorsqu'on fait débat, on constante pour qu'on ait dans la réponse qu'on a, dans la connaissance de dossier, dans la solution, ça est très important.
Aïe numéro 1, faut qu'un bé constant ça, faut qu'un bé niveau a, faut qu'un bé capacité a. Deuxième bagaille pour garder dans le débat, c'est pour pas faire. Et pour chercher ça, le moment politique. Par exemple, on est aux États-Unis qui est le Dukakis. Monsieur pas dans des balles de ferré, monsieur t'as monté son temps qui touille. Monsieur pas comme carré prendre. Ou bien par exemple, Mitt Romney qui a fait un discours sur affaire de 47% ça touille. Lors d'un débat présidentiel, faut pas faire erreur. Et vous font erreur à péter fiel. C'est dans erreur ça yo et en même temps tout, bien ça relé le moment du débat. Ou bien avoir un débat de 3 heures de temps, mais c'est entre 90 secondes et 2 minutes qui a fait gain ou bien qui a fait perdre. Bon, je vais répéter ça pour vous. Vous doit participer dans un débat 3 heures de temps. C'est 90 secondes dans le débat. Ou bien 2 minutes dans le débat qui a fait gain ou bien perdre. En entrée, nous identifier premier monde qui perd. En identifier deuxième monde qui perd. Il relève Jude Célestin. Pour qui ça le perdit débat? Pendant tout débat, il fait bon gentil, j'ai fort pour le répondre, pour laisser advice, il dégage le bien. Mais bagay qui a pas enterré, qui touille et qui déprime, c'est l'homme qui a dit que il a formé des médecins en 2 ans. N'importe monde qui fait classe de 6e ou 5e secondaire, connaît que pour faire des médecins, ou besoin minimum 9 années. Donc, on moun ki dou ke l pral fè des médecins en 2 ans, li pa konn de ki sa la pale. Et c'est pour ça pral wè, pendant 3 ou 4 jours sur réseaux sociaux, yo, y a passé Jude Célestin dans bêtise. Yo passé dans bêtise, yo fè caricature sou li, y a fè blague sou li dans radio, yo même relé et nèg médecin. Ça veut dire que, à cause de rè ke monsieur fè là, monsieur pral perdi plusieurs pourcentages dans sondage. Est-ce qu'il a perdu 4 points? Est-ce qu'il a perdu 5 points? Agressive, est-ce qu'il a perdu 8 points? Plus. Mais, et rêve que j'ai fait Célestin Féa, pété fiel li au niveau de sondage. Troisième perdant dans le débat présidentiel, là, c'est bon, il rêve qu'il fait non. Son coup que au bail. Moun qui bat le coup, c'est madame Edmond Bozi. Nan mi dan débat, mwen nou te nan zone 35-40 minutes débat. Madame Bozil dit bon, li même la profite journée jodi a 20 septembre, comme c'est anniversaire de naissance Jean-Jacques Dessalines, la profite pour dire papa Dessalines, bonne fête empereur, parce que jodi a se fête tout pour sortir fait pour nous. Et puis il vire le garde Moïse Jean-Charles, li dit Moïse, qui j'en fait oublier, bon, m'te kon se petit Dessalines ouye. Qui j'en fait oublier que je dis à fait des salines. Ça, c'est un coup mortel. Un coup de mètre de Madame Bozil. Mais un coup mortel qu'il était. Parce que Moïse Maka dit c'est petit des salines. Et puis, jour 20 septembre, qui s'est fait papal, il n'y a pas songé fait papal. Son gros coup que Moïse fait. Il s'est dégagé dans le débat, même s'il n'a pas de chiffre, même si réponse qu'il a eu, il a manqué réponse, cohérence. Mais pour niveau Moïse, Moïse dégagé. Mais il perd 10 primes dans le débat à cause de coups. Ça que Madame Bozil gagne et bal. Koulia, Jean Risséan, ah, monsieur frappé, monsieur bal, monsieur frappé, 100 000 emplois en 60 jours, monsieur baïkou, monsieur baïkou, mais message monsieur a pas passé. Je regrette ça pour lui. Parce que je ne sais pas si c'est 4 000, E4 qu'il n'a pas employé, message monsieur a pas gagné émotion, il n'a pas gagné contraste. Il n'y a pas de crédibilité, donc connexion n'a pas qu'à faire. Ou j'en ai formule E4-3 qui me débarroua. Mais ça, j'en ai pas passé. Il y a un bagage qui a affecté un pile de monde dans le débat. C'est que le conseil de monde, il a critiqué l'État comme si le monde qui était là, il était dirigé, l'État mal, il a chuté sous, il a tout était dans l'État. Il a dit que la stratégie de débat présidentiel que le monde a fait, il a piqué tête, il a pas ça. Jude Célestin a voué monter sous l'État et il était dans l'État. Moi, Jean-Charles a voué monter sous l'État, il était dans l'État. Madame Bozil était dans l'État. Donc, dans la stratégie de débat électoral, débat présidentiel, là, ils font une stratégie. Qu'il y a qui mène dans le débat?
premier monde qui mène, c'est parce que il réussit à imposer thème par là dans le débat. C'est Jovenel Moïse. Il imposé agriculture. Agriculture a dominé le débat. En général, lorsqu'on candidat à la présidence, c'est mes stages qui passé. Donc, c'est thème qui a développé et qui domine le débat. Donc, ça veut dire que, étant donné que l'agriculture a dominé le débat, donc, le monde qui domine dans le débat qui fait l'André, les Jovenel Moïse. En deuxième position, on va joindre Madame Bozil. Elle dit que soit met ton classement dans le débat, Jovenel Moïse premier, Madame Bozil deuxième, Jean Rissien troisième, Moïse quatrième, Jude cinquième. Donc, je ne j'en dis étant donné que y a des perdants clairs dans le débat, tout le monde ça, combien de points dans le pourcentage que Jude pourrait perdre, je ne sais pas. Marise Nassis là, dans 4% Marise là, qui moun kapal bénéficier? Est-ce que c'est Edmond? Est-ce que c'est Jean Rissien? Est-ce que c'est Jovenel ou bien est-ce que c'est Moïse? Parce que j'y pète dans pile plume. C'est lui qui a passé plus dans bêtise. M'bablo prend samedi à pour vérité, non? M'voyo al font évaluation, al gade réseaux sociaux. Sous tout gros website qui gen 50 000, 120 000 moun, 135 000 moun, al sous tripotay la kay, qui gen à peu près 135 000 moun, al gade. Ou après, comment a passé monsieur dans bêtise. Gardez caricature qui fait yo. Yo bon l'idée dans qui orientation. Avec dit que jodia, si élection a fait, même jodia aux États-Unis, si élection a fait, c'est Madame Clinton qui a bien. S'il fait jodia, Madame Clinton gagne. Même j'en toujours jodia, sous fait élection dans le pays d'Haïti, jodia, qui date 25 septembre, Jovenel Moïse président depuis le premier tour. Kouya, en fonction de débat ça, que yon bay mauvais performance là-dedans, l'autre monsieur Damio, est-ce que yon va changer tactique? Est-ce que yon va changer stratégie? Est-ce que yon va faire changement dans moun kap jere campagne là? Est-ce que yon va améliorer communication politique yon? Ou même kap vive aux États-Unis, nous ka comprendre ça m'dia. Ou te wè ki chan Madame Clinton te devant Donald Trump et à ce que nous former des médecins, pas des docteurs, en deux ans. Gérald Pito bay sa, Pito rebaye li, Pito rebaye li, et puis m'a parlé sous lui. Parce que ça son point important, nous pas le monde dit que nous te dit, nous t'arrêtons même pour tant de lui. Gérald ou ka bay li? Koulia, la ba ou koulia? Donc, mes amis, nous avons une démarche agressive pour nous gagner plus personnel de santé. Quitte à ce que nous formions des médecins, pas des docteurs, en deux ans, pour être capables de faire la population soins. Il faut que nous fassions et il faut que nous acceptions les médecins qui sortent dans l'autre pays étranger pour nous faire le travail pour nous en Haïti. Merci. Donc, mes amis, nous sommes de la oreille. Nous allons nous former des médecins en deux ans. Académiquement, techniquement, ça va exister à travers le monde. Leur besoin de former un médecin ou besoin de 9 ans. Soit former des gens dans le domaine paramédical, sont l'autre affaire qu'il y a. Mais depuis, c'est des médecins qui ont parlé 9 ans. Donc, ben, ça a tué Jude. A dit que l'Elfer USA a montré que, en tant que monde qui voulait président, il n'y a pas de maîtrise dossier. Si ça qui sont bas minimum, je ne pas maîtriser. Et pour ça, il y a un peu de monde qui commence à dire, il y a l'hôpital, monsieur Tereté Bébé. Parce que n'a pas l'air, il vient de découvrir que monsieur grand pile faiblesse. Monsieur, pourquoi il y a un manteau président sous lui? Il y a les fois, monsieur, il travaille, il faut étudier, faire plus d'expérience, monsieur, pas pareil. Bon, n'a pas demandé à tout le monde, car ce sujet mission là, mes amis, c'est très important. Le 9 octobre, il y a une possibilité, alors pas possibilité, non? Le 9 octobre, nous avons en direct dans quatre coins du pays d'Haïti pour nous voir comment l'élection a déroulé. Si un monde ou bien pour aller travailler, joue ça ou bouger fou parce que téléphone ou bien, téléphone de l'esprit, hein, ça que les smartphones, hein, ou capable de download app Téléboston à la donne, ou bien ou capable d'aller tout sous Play Store, ou capable d'aller tout sous App Store. Et puis taper Radio Télé Boston ou alors sur Apple et pour taper Radio Télé Boston ou qu'à télécharge ou bien capable download en anglais après Radio Télé Boston consacre quel que soit côté hier c'est ou à travail mais soit conduit ça pas là donne bien sûr c'est en libre. Après si vous n'avez conduit nous pas encourager ça
Mais si tu caches ton petit téléphone pour suivre, nous évitons à faire ça parce que nous avons step by step. Et je vous dis ça tout et je ne sais pas qui ça le faire parce que c'est le temps de le. Bon, moi-même, toujours au service de la nation. Et bon, c'est un jour, ça, c'est pas à 7h du soir. Donc, c'est toute staff radio Télé Boston hein, et qui a mis ensemble pour nous là dans le studio hein, pour nous faire couverture. C'est exactement ça qui passe dans tout le pays d'Haïti. Nous avons gagné Stanley Luca et Loumel Etienne, depuis jeudi, quel que soit à côté nous, n'importe ça qui tombe, et nous avons toujours partagé avec tout le monde, toute situation déroulement élection, nous avons gagné en direct la caillou grâce à Télé Boston. Bien sûr, Radio Télé Boston pral gagné une série de correspondants dans quatre coins du pays d'Haïti qui très coûteux, hein? Bien sûr, nous connaissons pral côté. Égal, dans ce sens, si. Parce que tout le monde qui a suivi, qui t'a aimé suivre tout ça qui va le passer, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide pour monsieur, monsieur, dame, cap Haïti, qui a faufilé ces informations, ou bien gros informations, bah nous, qui a signalé tout le pays d'Haïti, il faut machiner, il faut gaz, il faut manger, et au compte pays d'Haïti, c'est un pays qui est chaud, il faut boire de l'eau de temps en temps, nous avons besoin d'aide. Mais en pile, charge pas l'eau. Nous avons qui gens pour nous participer déjà. Aller sur Télé Boston hein, et nous descendre pour payer now, bah une contribution. Et si vous avez un monde qui est dans la télévision, hein, ou plus ou moins à l'aise avec lui, bah mon sa contribution par là, et puis la privée dans la télé. Hein. Si c'est moi-même qui joue, faire arriver dans tout le monde qui j'ai pour jouer déjà. Et puis m'a fait arriver dans la télé. Hein, et puis dimanche à partir de 8h, ballon centré. Dans Télé Boston. Qui dit, bagay malheur, et nous pas voulons quitter pièce pour nous dehors. Et depuis le matin, cela alors nous avons gardé le téléphone, moi, c'est le directeur de la télévision, m'a parlé. Depuis le matin, nous avons live sous studio, hein, map là. Moun kap viv Boston, bien entendu, et les fanatiques de Télé Boston, Radio Télé Boston dans Boston, qu'est-ce que ça nous va faire déjà? Que dit, nous sommes pas pour tes paquets manger, parce qu'ils ont fait ça déjà. Ça va dire là, ils ont fait en 2010, dans l'élection Michel Martelly, paquets pour tes paquets manger, paquets bagaille pour boire, et puis journalistes ont monté un après l'autre dans l'écran. Nous avons fait un travail exceptionnel. Année ça encore, nous parlons pire que j'en ai en 2010, là, parce que nous avons perdu une seconde dans ce qui va passer en Haïti. Ça bel en pile, l'eau tout travail sera fait et pour te bailler participation. Quel que soit Jean Kafofi et formulé, Jean Kabaye participation pour là, you are more than welcome. Sou ka vin nan station, tout sou pren nou nan Boston, you are more than welcome. Ou ka vini, ou ka aide Kebe Kamera, ou ka pren micro, ou ka fè n'importe sauvle. Et si gen moun ki fait contribuer tout nan analyse, ça nous pral montre yo, bien sûr, ou capable n'ap gen stand là avec nous ka backup. Ou qu'à participer avec nous comme ça droit, je pense que c'est vraiment une belle expérience encore dans Radio Télé Boston. Voilà, mais Gérald montre Pay Now là. Nous, à côté marqué Pay Now là, juste cliquer la donne, ça c'est Gérald qui montre lui. Juste cliquer dans Pay Now là, et puis, ben, participation parce que nous avons grand besoin de ça. Parce que mon Haïti, il faut virer, il faut gagner gaz. Bah, contre sécurité, comment ça va aller? Est-ce que tu n'as pas de sécurité? Marien, on va pas de sécurité. Comment ça, même Stanley? Ah, on chie. Bon, nous avons mis espoir là. Ou alors, nous avons mis espoir. Non, si nous avons mis cap de sécurité, c'est juste les Michel-Ange Déon. Monsieur Sonnet qui décide la police tape qu'un bien neutralité. Donc, non, pas de problème dans le niveau ça. Qui veut dire ou accepter pour descendre et puis sécurité à taille, c'est pas vrai? Should be. Bon, nous sommes notre vidéo à Stanley. Cette question, ça n'a pas le poser au next. On ne va pas me poser encore. Parce que, à faire médecine dans deux ans, ça, moun qui sont sur social network, yo, à semaine, ça là, ou te gen fan. Une lutte, une démarche agressive pour nous gagner plus personnel de santé.
quitte à ce que nous formions des médecins, pas des docteurs, en 2 ans. C'est oui. Quitte à ce que nous formions des médecins, pas des docteurs, en 2 ans. Look at this. J'ai un candidat à l'UA qui dit la poêle forme médecin sous 2 ans. Ben Dieu, c'est parce que sous forme médecin sous 2 ans, on va tuer tout le monde. Dans 9h20. Pardon. Dès que 9h20 là, c'est le et le mounio, c'est pas le panneau encore. On a continué à avancer ou bien on a campé, ça n'a pas fait. Eh bien, on a avancé pendant 5 minutes et puis on a bay mounio à 30. Bon, OK. Dans NIP, nous pas invité à suivre vidéo ça Stanley avant que nous posons lit. Côté président Aristide te font passer dans NIP. Monsieur dit comme ça que banana pourri. Banane pourri, moun yo se menti 77 fois cette fois, yo pap manje banane sa parce que banane pourri. Et alors, question qu'a posé Junior jodi, hein, comme monsieur promet, et le yo prend pouvoir, tout moun pral gen même droit. Tout moun pral manje comme sa droit, tout moun pral voye petit de l'école, tout moun pral equally the same in English. Question en pile monde posé tête aujourd'hui hein, et je viens 3 textes là qui dit pose aux questions ça pour yo comme ça yo confuse yo pas connaît est-ce que c'est Jean-Bertrand Aristide qui candidat ou bien si c'est Maryse Nassis élaboré pour nous Stanley. On va passer vidéo en avant parce que tu dis tu as pas. Oh oui oui, Gérald a travaillé sous lui. On connaît allez gueule, la gueule, mais vidéo. Côté m'poale parce que monsieur dit année prochaine l'heure comme ça a gen plus ti moun qui pral l'école alors image wap gade la yo est-ce que c'est ti moun ça qui pral l'école ou bien standé bon et bon manque de cohérence dans discours ça veut dire que son moun pour analyser politique pays d'Haïti Aristide Del quitté li kite 6.6 million moun nan misère lè lalé. Li kite 70% budget a dépend de l'étranger. Et li kite près de 90% l'école yo c'est l'école publique.
pardon, c'est l'école privée que peuple a pas payé. De 70% des enfants de cité sauve. Et 10% seulement qui l'école publique. Donc ça veut dire que les Aristides au pouvoir, c'est 6% seulement budget qui était à l'éducation. C'est l'autre jour là, ils ont mis là 12,8, donc 13% du budget à l'éducation. Soit Aristide éducation pas en priorité. Et c'est pour ça que dans le pays d'Haïti, il y a des bluffs qui parlent loin. Il dit que non seulement ils ont quitté 6,6 millions de misère, yo tout qui nan tête la valas là, yo réussi sans peuple lan. A dit que la vie a réussi de changer, monsieur son multimillionnaire. Mais si t'es soleil, vin pi mal. Donc l'on est comme ça, ba on bluff comme ça, li pas difficile. Pour faire qu'on dit banane gâte ya, c'est le Aristide dans le département NIP. Là, moi, je pas saisi que Aristide dit ça. Le monsieur dit comme ça, que banane nan gâte, il pas manger. Qui message qu'il voue? Il dit comme ça que tout banane que paysan produit dans le pays d'Haïti, banane yo gâté. Donc, monsieur a cherché à écraser la production agricole du pays. Tous les 10 départements du pays a produit banane. Donc, le monsieur dit peuple la banane nan gâté, ou pas manger banane. Non. Est-ce que c'est écraser, monsieur, vous écraser la production banane pays a? Même Jean l'a écrasé, dit la Tibonite, l'élite président. C'est Jean-Bertrand Aristide qui t'a signé. Qui te permet Bill Clinton voye diri nan pays d'Haïti écrasé diri la Tibonite lan. Donc le monsieur rete nan ni pli dou banan nan gâté, li pap manje banan nan. C'est tout paysan pays a que monsieur attaqué. Et monsieur gon on passé qui très négatif nan domaine ça, c'est embargo économique Aristide lan qui écrasé paysan pays d'Haïti. Et c'est lui même tout qui te fait diri étranger avec Bill Clinton entré, qui vient craser diri la Tibonite, là, négocier l'état des ordres. Donc, mais je dis à pays fonger fort pour augmenter production agricole là, pour exporter banane, pour mettre l'argent dans poche paysan et leur cultiver la terre, pour mettre manger sous table. Au lieu de encourager production banane, production agricole, la PCE sale production banane paysan pays d'Haïti. Son nèg qui pas respecté la paysannerie. Son nèg qui déconnecté avec les réalités nationales. Et moi, je comprends ça, côté monsieur fermé tabac, li très difficile dans le luxe, dans le bien-être que monsieur a vivre pour le compte difficulté, redit qu'on paysan fait pour le capoudion banane. Donc, le monsieur débarqué dans le plus de banane, dans gâté à pas manger, monsieur pas connaît que c'est chaque grand paysan, pays d'Haïti qui l'attaque. Mais en même temps, tout, monsieur font un erreur stratégique. Monsieur montre clairement que banane nan gen les coquilles nan gorge li. Et c'est ça le problème, monsieur. Monsieur, par contre, qui j'en pour décoquer banane nan coquilles nan gorge li. Et c'est pour ça, dynamique électorale là, son bail technique. Avec dit que l'on est concours Aristide obligé de descendre dans la boue pour la venir discuter et parler comme ça comme mon ancien président. Ou est tout bon que banane nan coquilles nan gorge li. Faut nous ouvrir le téléphone yo parce que nous avons 30 minutes pour nous passer avec mon yo. Grand pile monde qui toujours et voulait participer à l'émission. On a salué tous les amis directement qui branche l'émission là et émission ça. Mon compère Wilson Ledger et depuis Lomenster qui branche l'émission ça. Wilson, nous en forme. Et pendant nous ouvrir le téléphone yo, c'est 617-287-2200 ou le 617-871-61. Stand les questions ça, c'est yon auditrice qui m'a demandé pour me poser une question pour lui. Question passée comme ça. M'a destiné pour moi si Aristide t'a doué à parler de choléra, laissez lui même qui entre force étrangère en Haïti et pour qui adversaire Aristide pas attaqué sous ça pendant les a traité candidat menteur. Merci. Bon, le président tombé. N'a pas aller comme ça, l'a dit mon abbaye menti, ça veut dire que monsieur perd du fil, monsieur décrémé. Bon, l'on candidat perdu, ou pas pour perdre du temps à Marise Narcisse qui pratique aujourd'hui à 5-6%. Et l'effet qu'il pas mette pied dans le débat a pété fiel li. L'effet que au courir de la valasta, nan go naïve, yo courir de la valasta nan au cap, yo courir de la valasta nan wanamet, yo courir de la valasta nan akin. Bon, littéralement, la valasa tellement connaît que mon tigouave a obtenu pour une série de questions, la valasa va même passer tigouave. Donc, ça montre que, et mon Jérémy dit, il a obtenu. L'on prend lettre,
que magistrat Okaïla écrit. OK? Et Gabriel et Fortuné, sous même pour que l'ilette ça, moi invite toi l'ilette là dans @stanleylucas01 ou bien @commercial_stanleylucas01. Regardez l'ilette que Gabriel Fortuné écrit, mettez-le ni sous page Facebook moi ni sous page Twitter moi. Il écrit Jean-Bertrand Aristide. Ou comprennent que la valasse là, ou pas pas perdre du temps sous lui. Journée jodia, ça qui est important particulièrement pour candidat qui devant, c'est qui ça pour le faire pour le ca gagner très bien dans premier tour. Est-ce qu'il va arriver pour le fond 64%, 67%? C'est sous ça la travail. Et c'est pour ça ouais, monde qui devant, il gagne presque fait 140 communes dans le pays. En moins, ouais, il gagne presque fait 140 communes dans le pays. Donc monde qui devant lui-même dit pas pas perdre du temps à moun ki derrière. Nous tout connaît que c'est Aristide qui fait 22 000 soldats américains tant qu'on konze débarqué en 1994. Nous sommes passés 19 septembre là qui date que monsieur était fait soldat américain au débarqué. Nous pas oublier ça. Nous connaît tout. C'est Aristide en 1995 les soldats américains au pralé, il était signé pour faire soldat Nations Unies rentrer. 17 000 soldats Nations Unies. Les salpot courir les minia. Et l'hypothèse qu'on est ministre, c'est le minuit. Il vient de changer non plusieurs fois, mi-poni, mi-tenu, uns-mi, jusqu'à ce qu'il arrive ministre. Donc, ça veut dire que si Aristide pas de signe, ça le signe, nous avons carré les soldats des Nations Unies dans le tribunal, dans le pays d'Haïti, là où fait Kadejak Soufi, là où fait Kadejak Souti Gasson, ou bien là où lague choléra. À cause de à quoi que Aristide te signe depuis 1995, qui baille les Nations Unies, ça a eu immunité. Nous va carré le dans tribunal et c'est ça qui fait nous gain difficulté jodi a fait nèg yo prend main responsabilité morale yo pour faire payer donc moi même on nèg ou pas pas perdre du temps tout monde ouais que Aristide en retard de phase non seulement campagne Aristide dans mal géré campagne Marise Narcisse ouais m'a dit Aristide tellement moun yo ouais qu'il y a Marise Narcisse son perpétuel Aristide qui candidat non seulement campagne là mal géré li ba bon message cohérent et pour wè que parti a son parti qui vieilli et m'te di nou ça depuis nan conférence de presse que Aristide débat petition villa avec Marise Narcisse vidéo disponible sur YouTube ou gen doit regarder c'est pour ça technique pas ba menti wè ou même k'ap tande là comme jeune garçon jeune femme bad betou lò gen technique lan sou ou pa gen menti là-dedans a regarde vidéo ou ap wè majorité moun ki sou côté Aristide c'est journaliste à photographe. Reste moun ki rete yo ki partisan c'est des moun ki gen plus que 50 ans. Jodi a dans 5.8 million moun ka pral vote yo, 70% gen en 18 et 42 ans. Ça veut dire que Aristide moun ka pa akompanye li yo, c'est des moun ki gen 50 ans et plus, yo pa représente 10% de l'électorat. Ça veut dire que son mouvement ki doit repenser tête li, lè yo fin pèdi élection, m'pense que la balance la doit faire convention, vin avec un leadership tout neuf, un nouveau programme. Commencer à préparer l'élection 2022 avec un leadership tout neuf, laisse à la balance possibilité pour le reprendre le pouvoir. Mais si c'est crétiniste que moi, non, j'ai abjuré la campagne, là, il faut commencer à perdre. Regardez, l'on parti politique pour aller dans la ville, à l'avant, souvent on équipe en mission pour garder qui j'en ville là. Est-ce que si vous avez un monde en mission, vous avez un monde rabot, vous avez content, des stratégies, vous avez mettre. Allez, dit que des bourgeons où est-ce que campagne là au niveau de message, au niveau c'est Aristide qui candidat, c'est pas Marise, au niveau de fiasco qui a passé dans toute ville côté Oya, où est que la balance a déjà perdu l'élection. Donc, où il y a, c'est qui gens pour préparer le futur en dans la balance avec des réformes de leadership et puis une nouvelle vision. Ils ont fait ça, ils ont une possibilité de reprendre le pouvoir. Mais si ça avec Aristide, ils ont fait comment c'est perdu. Donc, c'est un peu comportement là, voilà, ça, monsieur, il y a mes violences, il y a mes boulets, il y a mes crasés, c'est un bail tout affecté dans l'élection. Souligne, Doudou, merci, merci en pile pour patience. Bonsoir, bienvenue. Quand on branche là, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir, c'est Phil Alésia. Hello? Comment nous est Phil Alésia? Salut. Ok, salut Stanley, avec tout ce staff là, qui a voué l'émission en montée là. Mon cher son, on m'a profité et complimenter Stanley pour le débat qu'il était fait avec Mathias Pierre. Pour écouter Nexario, même si on est monté au Vin Monte Chita sur la radio, et puis il n'y a pas qu'un dossier préparé, et puis il y a deux besoin président. Alors, si porte-parole là lui-même, comme c'est Mathias Pierre,
li pa gen rien dans jacot li m'a bien parler au président parce que le plus souvent m'pense porte-parole la tapi des plus bagarre dans jacot li que président bon ou elle c'était venu pas dans ce dossier. OK. On a aussi approche pour sur le débat. Madame chaque monde qui attendait capteur chaque haïtien qui attendait côté la voilà côté PHTK tout haïtien qui attendait. Yo gen pour ouais analyse que me fait sur lui ouais tout les chez ça yo vinn ouais à faire production. C'est lui même qui a monté c'est Jovenel qui devine avec. On a chaque vinn avec. Ça veut dire là, c'est un point de bas journal de plus. Et puis, M. Sarro, c'est bien fait. Même là où il finit avec lui, il n'y a pas de vision. Il a fini président, il n'y a pas de chemin de travail sur lui. Alors, dans le même peuple, bien ouvert les yeux pour oui, j'ai des mecs à eux, c'est bien fait. Il finit avec Bagala, il a plombé nos productions, et je journal qui devine avec elle. Mais il y a aussi la seule façon de passer dans l'élection, c'est pré-production et tout. Alors, prépare ici un pour l'ouverture parce que n'est pas une vision. Je ne dis pas les délits pour le café monde, mais pas une vision. Alors, monsieur, tout ça m'a dit, compliment, bon travail. Merci, au Philadelphia, bon. Pour participation. Ouais. N'a continué pour mon 617. Comme dit, et t'as le 617-287-2200, 617-871-6161. Allez, Stanley. Merci, auditeur, merci. Et alors, de qui ça auditeur a fait référence, Wilson? Pendant la semaine, je fais deux débats et très intéressants. Youn dans Signal FM avec Mathias Pierre de Petite Dessaline. Et deuxième débat, c'est avec un représentant juste Célestin ou Maître Wilner sur Radio Storm. Donc, ou même, si vous êtes dans le travail, vous êtes occupé, vous n'avez pas de débat, ou bien dans deux débats, ou bien vous devez regarder sur compte Twitter, moi, @StanleyLucas01, ou bien @StanleyLucas01, ou bien sur page Facebook, moi. Moi météo et merci à monsieur Tripotal la caillou c'est grâce à eux même que me joigni donc ou même sous la regarder dans débat signal là et Mathias qui était venu représenter Moïse même programme pour parti li pas connait me te connait programme nan plus passer monsieur et me obligé corriger car monsieur quant à pour représentant Jude Célestin me tellement déposé dans même monsieur obligé courir quitter débat tellement pas préparé. Donc, si vous même besoin de copier, regardez sur compte Twitter, sur compte Facebook, ou abonnez vous. Ça veut dire que vous avez une série d'équipes, vous avez le président, et puis vous n'avez pas même un dossier, et puis vous avez une folie président. Et tant que vous êtes auditeur, vous avez raison dans l'analyse, le fait que l'agriculture vienne le dossier dominant dans le débat, ça montre que Jovenel Moïse réussit dans Paris comme candidat à la présidence parce que lui imposait dossier par là comme le dossier dominant. Et c'est ça qui fait le devant dans le sondage. Et c'est ça qui fait tout que lui a gagné l'élection depuis le premier tour. 22-00-617-871-6161. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Côté branché là, s'il vous plaît. Allô, Wilson, ma côté branché, comment est-ce? Nous, enfin, moi. Et m'a salué au Stanley et m'a salué tout auditeur, auditrice radio, télé Boston. Alors, Stanley, sorry, oui, au fond, malgré que je ne suis pas et la valasse, je ne suis pas ça, mais on va la vérité à Janier. Et vous connaissez Mme Etta Pascal Trouillot qui était invitée au OEA à rentrer dans les affaires, nous, en 2020. Vous comprenez? Alors, je ne pas tant, mais mal est arrivé, nous, mais il faut que nous, honnêtement, accepter, je ne peux pas accepter, mais nous, 20 000 hommes que moi-même, que nous t'as supposé pini, monsieur, t'as supposé payer ça, mais accepter que nous sommes coupables. Bref. Et ensuite, moi-même, je prends des peuples haïtiens, parce que moi-même, je suis dans toute élection qui était faite, je t'ai dit, c'est zombie. Mais dans tout sondage qu'a fait, moi, je n'ai pas eu un qui passé Jovenel Moïse. Jusqu'à maintenant, c'est monsieur qui est vraiment calme, c'est lui-même qui a un discours particulier, qui est l'autre qui a fait des discours violents. Et comment on sortit, ou même, Stanley? Avec M. Sao, qui a habitué à voir l'élection sur une élection qu'on fait déjà, avec M. Privé, est-ce que malgré tout sondage qui a battu Jovenel devant, pas de moi et pas de route, pas bois, est-ce qu'on va passer une élection pour voir l'élection? Et ça n'est pas qu'à faut répondre sur ça. Et ensuite, est-ce que nous-mêmes, tous, nous sommes capables d'essayer, est-ce que, bon, ça n'est pas qu'on a une capacité, est-ce qu'on va aller étudier comment on peut utiliser la capacité ou? Pour t'a faire le plus moins et le plus possible que mieux que j'en t'ai fait sur ma télé.
Alors, ma tante de Stanley, en tout cas, M. Wilson, KBFM, ma bonne courage, non. Passe une bonne nuit. Merci bien pour participation. Bonne nuit. Bon, et moi, merci aux auditeurs d'escorreler ou participer ou encourager. Et madame Touyo, pas de faire soldat et débarquer dans le pays pour venir occuper le pays. Madame Touyo, tu fais des observateurs et tu demandes assistance technique. Tandis que pour Aristide, c'est si que tu es signé pour demander occupation. Fait 22 000 soldats américains viennent occuper nous en 1994. Après ça, les Américains ont pralé, ils fait 17 000 soldats aux Nations Unies. Sans compter l'embargo que le mettait en 92, qui crasait Diri la Tibonite et qui crasait toute production agricole pays à cause de l'embargo que le mettait, qui fait gasoline, diesel, kérosène, pas de rentrer dans le pays. Les paysans sont obligés à bouler tout petit bois que terre. Donc, le pays n'a pas oublié ça. Même gens, tout pays n'a pas oublié que Diri la Tibonite qui a Aristide t'écrasé. Donc, production agricole là, gêné Aristide. Est-ce que nèg yo pral voler l'élection? Absolument. Si privé ka essayé rete jusqu'à présent là comme président de facto, ou est que la ka monsieur gon volonté antidémocratique pour le garder qui Jean Kaba on pensou pour voler pouvoir. Et c'est dans logique ça que Jocelyn Brivet, l'ELT président provisoire, l'hypothèque de facto monsieur te menté en commission falsification pour le mettre moun que le barin met dehors. Depuis le 19 février, il te dit moun sa au 5e. Les commissions falsification al travail sous donné yo, yo wè que Jovenel gen tout bon élection. Bon, nèg yo décidé que y a pas annulé toute élection. Malgré que nèg yo annulé ces élections, Jocelyn Brivet essayé politiser une série d'institutions tant qu'ou UCREF, tant qu'au bureau commissaire gouvernement il a trié pour faire persécution politique, Negyo décidé que vous allez faire un sondage en avril TV20, Negyo fait un sondage en mai TV20, Negyo fait un sondage en juillet TV20. Journée aujourd'hui allez Negyo garder dans propre sondage interne, il y a Jovenel Moïse passé entre 55 et 61%. Koulia, est-ce que il y a des intellectuels Port-au-Prince à mentalité pour tchis qui travaille avec privé? Absolument. Est-ce que y a PC monte en structure pour faire un coup d'état électoral? Oui. Il y a les observateurs communautaires qui prennent un décret électoral là. Yo prend des moun, Jean-Simon Saint-Hubert prend des moun dans organisation qui est les RNDDH et Marie-France Joissin prend moun qui dans organisation qui est les SOFA. Léopold Bélanger prend moun dans l'organisation CNE. Carlos Sekil prend quelques avocats en mille qu'il mette dans BCN. Nèg yo pense que yo pral bay sa rele dans le langage technique de la démocratie, on autogolpe, on forme de coup d'état institutionnel. Mais jeune yo qui gen tan comprendre ça, ou pa gen des jeunes qui gen tan mette tante devant KIPA. Moun yo commence mette tante yo devant KIPA. Depuis Koulia jusqu'au 9 octobre, yo pa prend coup d'état ni nan men privé. Les Bélanger, Carlos Sekul, Marie-France Joachim avec Jean-Simon Saint-Hubert qui pat même doué dans KIPA. Les prend Nexiev là qui pat même ka fait bon calcul statistique en dans commission présidentielle là. Yo mette le directeur centre d'établissement dans KIPA. Les prend adjoint qui était dans Siev là qui pat même fait calcul qui te fait des erreurs factuelles. Yo mette le comme directeur adjoint. C'est tout petit coup d'état qui a metté. Mais mon bail qui m'a à l'aise, m'a connaît depuis privé. Pas faire élection le 9 octobre, li entre dans dynamique de coup d'état électoral avec Bélanger, Carlos Sekul, Jean-Simon Saint-Hubert, Marie-France Joachim et Latrier. Bon, ça va prendre trop de temps pour aller visiter M. Pénitencier National. Pour Jean-Pepe ça a mobilisé, pour Jean-Pepe ça a fin ouéke, élection 25 octobre là, t'es bon, c'est un vagabondage qui n'est pas eu, il fait pays a perdu 10 mois. Avec des centaines de millions, yo te pensé que yo t'a changer résultat. 10 mois après, peuple a toujours que Jovenel devant, non seulement devant, puis devant net, Gilles Célestin toujours en mauvais deuxième position, Moïse Jean-Charles toujours en troisième, Timoy fait ça capable, mais li pa ka si rajoua. Quand d'abord Marise même, li déplie net pour Jean Bagayo passer dans plusieurs villes et Jean Aristide a dommagé chaque fois de sortir avec lui. Merci pour patience. Bonsoir et bienvenue. Côté branché là, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur Wilson. C'est Antoine Adam, comment vous êtes? Antoine, non, famille Brooklyn, comment vous êtes? Nous là.
qui va faire des bouquins de moi. C'est mon et mon télévision. Monsieur Wilson. OK, moi salue monsieur Stanley Lukato. Bon, moi salue tout staff télévision, tout staff radio, tout staff télévision. Et moi salue toute communauté à tout. Monsieur Wilson, s'il vous plaît, au cas bail en 40 pour nous ta faire mobilisation pour dimanche prochain. Hein? Pour nous qui ça nous ta faire main contre pour nous capable faire programme là pas échouer parce que comme on dit que n'a besoin l'argent vraiment vrai parce que quand à un moment qu'on y a dans 21e siècle là tout ça marche tout ça qu'a fait c'est avec l'argent qui marche donc moi même prêt pour aider quelque chose monde qui fait bagarre pour pays d'Haïti et c'est parti là voilà ça me pas plaguer l'argent dans mer ça mon jao c'est pour allemand ça a été fait. Bon, monsieur Wilson, les n'a pas gardé, j'en vais être qui t'est tombé en au cap. C'est vrai que tout pour nous, c'était dans quoi que son stratégie politique qui t'est fait. Les gardé population Moïse Jean-Charles là. Il va contre qui j'ai population qu'a fourré mes points de côté hier. Il va l'autre qui passe pour le sortir dans problème ça. C'est là que vous l'avez collaté. Et pendant la blague collaté, il va. Tout pour qu'on ne vous pas tomber fort. C'est pas pour dire son lag coate, t'as coup d'aide ou pas émotionnant. Il prend tout soin pour le lag coate. Ça c'est une. Comment t'as le jeune qui dans l'hôpital le matin à 5h du matin, il sortit l'hôpital, il continue. Alors, il y a un bête qui dégage malaise. Je vais être qui pas de gagner, c'est coquette dans le col. Bon, pour en faire à qu'un, je vais regarder depuis hier, je suis en contact avec Haïti. Je t'ai expliqué qui j'ai accueilli, je vais être ici dans Aken. Bon, pour Tigouave là même, c'est moi, Antoine Adam même, qui t'ai mobilisé, peuple Tigouave là, pour me dire, chercher justice pour Brielle Landon, parce que je vais être ici d'après le retour en Haïti. Gonaïb campé, nous-mêmes Tigouave, c'est pour nous camper. C'est moi qui t'ai mobilisé. Je ne sais pas quelle radio en Haïti qui me passe. Moi-même, je ne vais pas faire la balade, parce que je ne vais pas quitter le nom et tout. Je ne radio en Haïti qui me passe que pour m'expliquer 19 septembre, 15 octobre, 1er janvier, 29 février, pour ne pas parler de moins de 10 ans, la balance a payé à 4 occupations, plus un embargo. Là, puis encore, choléra, c'est pas l'autre côté qui vient avec lui, c'est Jean-Bertrand Haïti qui vient avec lui, c'est lui-même qui vient avec l'occupation qui va nous choléra. Parce que 7000 soldats haïtiens te gagnent, yo pas de mauvais maladies. C'est Jean-Bertrand Haïti grâce à ces étrangers. Comment si nous voulons relèm dans le tribunal, relèm dans le tribunal. Nous pas fait pièce, nous mettre relèm dans la côte, ou bien d'autres légers tout. Et nous gardons. C'est moi, pour le jugement qui pourra le faire. Nous pas dit cette persécution politique. Parce que d'autres légers. Libral va y rapport sur la fête de l'élection de Gatéari. Liliane Bien-Paul va y rapport sur l'élection de Gatéari. Je m'en ai mis à l'histoire de rapport. Puis, je ne sais pas si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit persécution politique, gâteau élection, j'étais comme d'accord. Son gros couleur pour nous payer, pour nous prendre, pour nous amuser, pour nous gâteau élection. Ouais, ma télé, il n'y a pas aucune réaction, mais l'autre gouvernement pourra lui venir. La preuve, c'est réaction, parce que je ne vais pas le regarder, nous, pour nous, comme ça. Si Nathan Léger n'a pas fait élection, si Jocelyn Privé n'a pas fait élection, si le président du conseil électoral n'a pas fait élection, mon cher, tous les trois mettent à pour tête dans la pénitentiaire. C'est pas si c'est Antoine Adam qui vous mettez à l'étude. Puis on met à l'étude pour mon Dieu. Merci beaucoup, monsieur Wilson. Bail numéro 40, moi-même, je vais prêter pour bail 20 dollars pour contribution femme. Merci, bye bye. C'est 617-287-2200. On a 10 minutes encore. Ce sera la fin de cette belle émission à mi-temps ce soir, 25 septembre 2016. Stanley n'a pas élaboré, n'a pas continué pour le monde. Bon, ça m'a dit rapidement c'est que, bon, je ne suis pas d'accord avec Adam et ses droits journalistes. Donc, Jean-Mon a mis l'us, pas d'accord avec lui. Ses droits Liliane Pierre-Paul, qu'on d'accord, pas d'accord avec lui, que y a opinion politique. Et moi, je ne crois pas que par aucun monde qui a en tête, persécution journaliste, etc.
moun nan non demokrasi, se doa ke l gen avèk opinyon politik li, menm lè ke ou menm ou pa pataje. Sa, mwen mdouve ke Antoine Adam, ba, on tien tolérans la ki pa vreman akseptab non demokrasi. N'a continué pour mon yo, mes amis, Soulignan. Bonsoir, bienvenue. Contre branché là, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur Wilson. Wilson, gardez, n'a pas eu son cap gâté. Sauter, pomper, gardez, m'gain banane, non, même tête calée, gardez, n'a pas eu, gardez, si Marie Pap monte, si Marie Pap défend. Défend net. La carrière seulement fait 25 monde qui parle voter l'homme fini me garder gagner $5,000 pour faire campagne en Grecier c'est l'ancien garder c'est où frère m'a pouvoir comme c'est comme moi Saint Nicolas qui parle voilà Jovenel Moïse sorti papa sorti la gauche Gisèle Moïse Lucien Moïse garder Lucien n'a pensé foyer n'a voyer monter poser quoi. Au nom de Jésus, nous avons pris dans ce cas où nous avons dépassé. Ici, nous avons pompé. Bon, nous ne pouvons pas parler. Depuis le premier tour, nous avons fait l'élection. C'est coulé. Là, c'est coulé. On a dit ça, pire. Au nom de Jésus. Ok, puis garçon là. Bye bye. Merci pour participation. 617-287-2200. 871-61. Mettez 617 devant. Zami Soulignan, bonsoir. Bienvenue. Koto Brechem là, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, c'est Brockton. Chapeau bas Brockton. Ok, alors? Chapeau bas Brockton. Ok. Bon, ça, moi, t'as dit, je dis, moi, t'as parlé avec son mime Jacques Mel. Et candidat Marie Nassiste, Jacques Mel, ensemble avec Aristide, ancien président. Mes amis, mon famille, mon femme connaît. D'après sa famille, dit, oui, c'est pas l'autre, mon famille, pas moi. Yo fait me connait que Aristide monter avec une équipe net seulement qui gagne duet dans tête seulement. Derrière la marché connait là. Nèg yo prend la rue Jacques Mel pour yo avec boss dans main yo y a fumé tout temps dans Jacques Mel c'est sans paiguana seulement qu'a dégagé parce que nèg avec duet ça débarqué dans Jacques Mel connait les moi gagne on moi qui ont zami qui ont personnage qui ont j'ai approché le monsieur qui dans la rue a capté de fumer. Pour dire à mes amis, nous ne pouvons pas faire des bagages, ça va comme ça là. Pas qu'on ait des pour qu'on s'en fait, il y aura l'on doit être longé Bali. Nous comptons en Brésil, non. Alors, qu'on y a là, si on veut bien comprendre, ici, son reste à tourner, puisque je vais mettre des blagues, ça va dans des comme protection. Je ne peux pas comprendre ça. Est-ce que bon, c'est une explication, ça qui passe là, qu'on y a, à qui nous avons ici, c'est le monde qui est, c'est le monde qui est, qu'on a vu une journée. Qu'on est obligé de déplacer à tout le monde, parce que tu as mon encore. C'est ça, me t'as dit. Merci. Nous tous merci pour participation. Et vous avez élaboré, Stanley, pas pour élaborer, non, là, pas de questions. Mon Dieu, c'est juste un mariage qu'il y a à faire. Et bon, je pense que c'est bien ça. Notez bien que n'importe quel carré pour candidat Paola, bah, t'es mariage Paola, pas les gens voulés. Ici, c'est purement et simplement la démocratie. Au capable de faire son vlé, j'ai une vidéo à la chercher parce que je pense que son vidéo est supposé partager avec nous. Côté. Ah ben, la gueule, non, Gérald. La gueule, non. Stanley, c'est dans la cour Jacques Mel, nous sommes entrés avec vous. Et ces deux vidéos, ça, dame, nous sommes parlé là. Bon, qu'on est nous-mêmes, c'est purement simplement la technologie. C'est Jacques Mel, nous sommes monté là, en pile bataille, coup de chaise, de mes pieds pour l'argent. Côté diaspora et famille Lavalas, bon, ben, elle a été écrasée. Si vous avez mon soulignant, n'apprends mon soulignant. Côté Nabdou, bonsoir. Et surtout, bienvenue. Bonsoir. Nous gagnons. Salut. Bonsoir, oui, ma couteau depuis de Connecticut. Connecticut, nous saluons. Oui, une grande question pour Stanley Lucas. Tu as pour te élaborer pour qui raison que Diaspora n'a pas voté. Ça fait par ailleurs en loi qui vote et côté Diaspora voter, parce que toute la nation fait ça.
Bon, gen yon aspect politik et gen yon aspect teknik. Aspect politik la gen pil secteur nan peyi d'Haïti et ki pè vòt diaspora. Donc fò nou ta fon etude aprofondi pou nou wè pou ki sa yo pè vòt diaspora. Deuxième aspect a son question teknik. Mwen menm son dossier ke m souli depi lontan et m te di ke li important pou ke vòt diaspora vinon an realite. Nous font étude de faisabilité. Malheureusement, monsieur Zézami, moi-même, c'est comme ça, mais il faut me dire la vérité. Pour des raisons politiques, Jerry Tardieu font une approche très démagogique de question ça. Si nous voulons votre diaspora à vivre nos réalités, nous avons un ensemble de travail technique et juridique pour nous faire. Le premier travail que nous allons faire, c'est étude de faisabilité pour l'infrastructure technique là. Pour travail ça a fait former une commission interministérielle. Dans commission ça a que premier ministre a nommé ou a bien ministère des affaires étrangères, ministère de la diaspora, ministère de l'intérieur et ou a bien représentant office national d'identification, ou a bien représentant direction technique du CEP, ou a bien représentant des deux chambres et puis ou a cherché quelques monde dans diaspora. Commission interministérielle, ça, wap mandon support technique du programme des Nations Unies pour le développement NUD. Donc, son période de 2 ans, il va regarder dans 32 pays qui ont à peu près 4,5 millions d'Haïtiens, il va regarder qui infrastructure diplomatique que nous gagnons qui permet de nous faire vote là. Sous base infrastructure, ça, là, au fin de faire évaluation, il va voir combien consulat, combien ambassades que nous gagnons à l'étranger. Si nombre de monde dans chaque zone, yo, consulat, papa, recevoir comme bureau de vote, est-ce que c'est une maison de transfert? Est-ce que c'est l'église? Qui type de et institution communautaire que vous avez servi pour mettre bureau de vote? Koulia, vous avez fait étude de faisabilité, ça, côté non seulement vous avez regardé l'infrastructure physique, yo, mais vous avez chita pour parler avec ensemble d'associations haïtiennes cap vivre dans communauté ou tout côté au passé. Donc ça va permettre de développer non seulement une étude de faisabilité mais un database. Sous base ça on va chiter avec des techniciens dans la diaspora li 50 000 fois plus facile pour mettre une infrastructure vote électronique dans la diaspora que dans le pays d'Haïti parce que dans 32 pays côté diaspora vivre il y a l'électricité 24 sur 24. Donc ça va regarder est-ce que l'État a des moyens financiers pour acheter système électronique là? Parce que il y a une bagarre qui change dans le système électronique là, c'est et application de sécurité qui vont changer en pile en plus de tout équipement technique là. Quand il a fait une étude de faisabilité ça qui bord toute information ça yo, ou va regarder qui institution l'État au niveau exécutif, qui ça législatif là doit faire, qui ça conseil électoral là doit faire pour faire votre diaspora venir en réalité. Ça, c'est le premier aspect qui sont aspects techniques. Bon aspect juridique et législatif. Ça veut dire que, qui modification constitutionnelle que nous devons faire pour permettre la diaspora à participer. Lorsqu'on parle de diaspora, ou gen moun qui gen nationalité haïtienne et nationalité étrangère, ou gen moun tant que moi-même, par exemple, m'a vivé à l'étranger depuis à peu près 28-30 ans, et son haïtien qui mieux qu'à vivre à l'étranger, m'a gagné l'autre passeport étranger. Comment on a fait tout le monde ça au voter? Dans le pays d'Haïti, il y a 2 écoles politiques et philosophiques sur la participation politique de la diaspora. Il y a l'école en dedans pays d'Haïti qui n'a aucun problème pour que la diaspora, qu'elle gagne un passeport étranger, qu'elle pas un passeport étranger, qu'elle participe dans le processus politique pays d'Haïti. Il y a 2e l'école politique dans le pays d'Haïti, mais qui a mené une politique de maraudage. Yo même yo vleke yo mette des balises si diaspora a un passeport étranger li pa ka participer dans tout bagay. C'est comme ça yo pense et en même temps tout gen tout qui dans l'école ça qui dit bon oui yo ka participer mais faut yo renoncer à nationalité étrangère ou bien gen des moun qui dit oui yo ka participer mais Haïti pa reconnaître nationalité étrangère que moun ça a gagné. Depuis bon bagay que moun sa a fait et a traité le temps haïtien selon les lois haïtiennes. Et ou gen droit bon moun ki gen nationalité américaine. Et puis bon bagay politique qu'il fait dans le pays d'Haïti
et puis l'ordre décide de arrêter lui, et puis le gouvernement américain dit c'est citoyen Balil avec toute diplomatie, toute l'armée, toute CIA, toute Homeland Security et capacité qu'elle gagne. Donc ou même l'ordre fait bagage ça, il faut une réflexion approfondie qui doit être faite au niveau juridique. Pour réflexion ça a fait, faut que nous mettons commission encore interministérielle mais qui a occupé des aspects juridiques ça, qui va étudier l'autre pays qui fait déjà qui j'en fait et qui j'en surmonté barrière ça que n'a vivre. Et c'est pour ça me défont parler non conférence call que Valérie Saint-Louis te fait avec Jerry, me dit à proche politique qu'il a fait a pas bail résultat, en chita soit pour juridique et technique côté gain des commissions interministérielles nationales qui monté bail mon une période de 2 ans pour travail pour joindre solution à problème ça. Voilà, Stanley, nous arrivons dans le bout de l'émission. Nous arrivons dans le bout de l'émission. Nous n'avons pas pris mon encore Stanley. Nous arrivons dans le bout de l'émission. Nous parlons de résumé à Stanley de ça qui vient pour le faire comme devoir. Mercredi, tu as supposé une conférence. C'est ça, Stanley? On a élaboré pour les gens qui branchent à l'Ontario. Bon, moi-même, je dis c'est que pour nous-mêmes qui sommes dans la diaspora, par rapport à frère et soeur haïtien nous qui ont menacé pour déporter et pour des raisons juridiques, techniques ou bien politiques, moi pense que nous tout dans la diaspora nous ta doit coller tête nous épaules nous ensemble. Donc tout élu haïtien ou américain yo et leader communautaire yo, docteur Pierre Paul Kader et Jean-Robert Lafortune, Léonie Hermantin, Gypsy Metellus, magistrat Champagne et Alex Desulmé et mon estime dans Miami, meilleur Joseph et Rudolf Boulos et pardon Rudolf Moïse et Joe Baptiste et docteur Loredan et Didier Rivière et Danny de Rivière et Didier Eugène et Consil Menobou, Consil Menotienne, Étienne Consil Roumen Chanette, Archange, sénateur d'Orsena et député Mia Love, député Jeudi et député Kimbor. Donc tout le monde nous gagne yo Marlène Bastien et tout militant que nous gagne yo on garde comment nous ka font conférence call Garcelle Beauvais et Edwige Dantika et Elisabeth Guérin. Donc tout le monde nous yo on garde comment nous ka font conférence call mercredi et puis et Jocelyn Makala pour nous ka wè ki jan nous ka vin avec une stratégie et malgré divergence politique que nous gagne ça c'est tout haïtien qui concerné. Et puis d'ici mercredi, nous d'accord sur stratégie hein? Et pour nous qui j'en avancé. Donc même de tout leader communautaire, tout journaliste, on essaie de mobiliser journaliste Miami, journaliste New York, journaliste Atlanta, journaliste Boston, journaliste Chicago ou bien California, Connecticut, New Mexico, tout côté bien haïtien, New Jersey, Maryland, Washington, Virginia, on mobiliser semaine ça pour nous garder et meilleure façon pour nous cas et sans nous pas froisser autorité et boycio et parce que boycio a son système lobbying donc pour nous cas un résultat qui n'a cherché pour faire action nous sommes certains que dans le pouvoir législatif américain il y a monde qui parle pour autant de nous dans le pouvoir exécutif là tout et ambassadeur Patrick Gaspard qui sont haïtiens américains nous sommes certains que ça a concerné mes amis on garde si nous faire conférence call là mercredi Valérie Saint-Louis tout monde ça yo. On garde si nous avons une grosse conférence call mercredi pour nous mettre en place la stratégie. Et puis sous base stratégie, définir une roadmap de qui ça pour nous faire pour nous avoir un résultat que nous avons cherché. Moi-même, nous connaissons, nous mettons compte sur moi depuis le 12 janvier 2010. Nous avons pour aider avec un pilote pour nous joindre un petit là après cyclone 2008. Yo, et nous-mêmes, nous toujours présents dans tout combat que et communauté haïtienne n'a pas aux États-Unis et dans la diaspora. Donc, mercredi. Conclu Stanley, n'a pas un short pause ça et puis n'a pas tourné encore. Et nous te parlé de film ça, Stanley. Finalement, nous commençons à montrer trailer. Li. Et c'est film ça qui est pour sortir de la Coupe Boston 27 mai. Me fait tout parler avec et directeur film là. Ben, il va marcher à grand pas pour le pays d'Haïti là. Il dit non, moi qui suis venu là, Haïti a une chance de garder le film ça avant nous-mêmes qui vivons ici aux États-Unis. Stanley a conclu. Bon, et pour l'auditeur, le lab gardons film, l'auditeur va connaître ça, ça veut dire.
c'est bon. Moi-même, peut-être en pile non, nous pas de comme ça. Et j'étais acteur tout. Et dans la première série télévisée d'action dans le pays d'Haïti, j'étais deuxième acteur principal dans la série télévisée. Ou même quand je regarde la télévision là, pour faire un film, c'est bon jouet, non? Ou bien doit juste une petite action qu'on a fait. Yo rien doit faire 30 fois avant même que yo joigne exactement Jean directeur cap diriger film nan vle lui. Donc monton film c'est pour jouet. Nan fait acteur yo fait scène qu'on vle faire et fait acteur a bay performance que il doit bay. Ça c'est premier aspect. Nan type de lumière qui doit gagner film nan qu'on doit couper. Et va jouet non monton film. Et peut-être un jour, peut-être Wilson a fait une émission sur ça. En tout cas, ou même qui t'attend de télévision, ou garde de télévision, ou t'attend de radio à soir, merci de ce côté-là avec nous. Moi-même, même bagay important pour semaine ça qui va venir. Un, et crise migratoire, là, faut nous-mêmes dans la diaspora pour ton réponse. Donc, nous-mêmes dans la diaspora aux États-Unis, nous allons réfléchir sur ça. À travers conférence call. Mais ou même qui dans Canada, ou même qui Saint-Domingue, quel que soit côté il y a en Europe, faire conférence call entre nous et en garder si nous tout dans pays ça yo que nous ca connecter pour nous faire un mouvement mondial par rapport à frère action nous qui en danger. Aïe premier bagage pour semaine là. Deuxième bagage qui est important pour semaine là au niveau politique, faut que élection 9 octobre là réussi. Faut nous tout gommer ensemble pour nous faire Léopold Bélanger Carlos Hercule, Jean-Simon Saint-Hubert, avec Marie-France Joachim, craser poste illégal ça qui a créé dans la KPA, qui viole le décret électoral là et qui viole les lois sur la comptabilité publique. Poste ça a relé observateur communautaire qui pas existe aucun côté. C'est moun pa yo qui a mis pour le fond coup d'État. Troisième bagaille, toujours au niveau électoral, faut nèg yo révoquer moun qui directeur centre de tabulation et directeur adjoint. Moun sa yo. Yo te nan commission présidentielle falsification électorale là tout technicien de haut niveau te joint un paquet erreur factuel dans travail moun sa. Donc ou pa ka mete yo comme directeur et directeur adjoint centre de tabulation et comment rele de moun sa ma bay non yo pi devant. Donc semaine ça c'est ça qu'agenda de travail là. Donc et puis on insiste tout au niveau de sécurité et puis ou même qui gen ti téléphone nous et comment ça apprendre qui gens pour faire photo et qui fait vidéo. Depuis qu'on bagaille qui passe ça, filmer, faire vidéo à voir le bon. Et puis, garantir que ou qu'on côté carte électorale ou yé, pour que jour pour le voter, tout le monde va le voter en masse. Mais invitez-nous, tout à le voter en masse. Et puis, comme Wilson te dit tout à l'heure, Téléboston a mobilisé, joue élection, quel que soit côté ou yé, ou on bagaille qui passe mal, filmez-le, voyez vidéo à ban nous, dit qui côté et qui moun qui participe. Ou ka voye sou Twitter mwen @standelucas01 ou bien @commercial_standelucas01 ou bien sou page Facebook mwen ki gen photo men ki ferme a un petit drapeau ki la dan. Donc c'est ça m'dap di aswe a. Donc nous souhaite tout moun une très bonne semaine pour nous même kap gade nous là nan pays d'Haïti que nous même nan diaspora a commencé triste parce que vent chaud yo commence à aller, c'est vent frais yo commence à rentrer sous nous. Nous même haïtiens nous pas tellement aimer vent fret yo. Donc passez une bonne semaine et puis nous souhaiter que les nous dimanche prochain tout ça que nous te souhaiter que nous faire comme travail pour diaspora pour élection et la trier tout travail ça fait. Bonne semaine Wilson, bonne semaine Gérald et puis ingénieur César Mbalando même et puis bon Dieu bénis nous Kembela.